On espère que vous aimez le générique de Soumis Massen Turbo parce que vous allez sans doute l'entendre régulièrement. Et pour ceux qui étaient là avant l'enregistrement, avant le lancement, l'intronisation du Patreon, patreon.com/soumismassen, eh bien, voilà, elle a tourné en boucle. Donc on l'a bien en tête, nous. Hein. Est-ce que ton cousin touche la SACEM là-dessus? Alors c'est un peu le problème, c'est que pour l'instant, la SACEM, on n'a pas encore réglé le truc. Mais Pardon, j'aurais pas dû en parler. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Ah mince, on est en ligne. Sujet qui fâche tout de suite. Bref, tout ça pour dire que précédemment, dans un petit segment, on a présenté tout ce qui vous attend sur la page du Patreon, patreon.com/soumismassen. Il y a une bande-annonce qui a été diffusée à cette occasion. On a remercié évidemment eh bien, tous ceux qui nous ont soutenus avant même le lancement de ce Patreon, tous ceux qui nous ont soutenus également durant les semaines précédentes, parce que voilà, il s'est passé pas mal d'événements. Oui, on remercie, faut le dire, on vous remercie de tout l'amour que vous nous avez donné. Toi, je sais que tu es modeste sur ce truc, alors du coup, je vais parler pour toi. Merci pour tout ce soutien et cette chaleur humaine. On ne pouvait pas parler sur tout, on ne parlera pas forcément sur tout, mais du coup, on le ressent en tout cas en tant qu'être humain, quoi. On sent vraiment que ça vous a touché et que bah, on est réceptif à ça et qu'on est tous... On est tous ensemble, quoi. Dans ce... On a reçu, j'ai reçu à titre personnel, mais même on a reçu toutes et tous un nombre de messages de soutien absolument hallucinant, que ce soit en DM, que ce soit sur les réseaux, enfin partout. Mm. Et ça nous a réchauffé le cœur, ça nous a surtout motivé pour aujourd'hui, pour Soumis Massen Turbo. Ouais. On a compris que bah, vous avez envie de nous entendre des vieux briscards. Il y avait de l'attente. Voilà. Et pourquoi on est réunis ce soir? Ce n'est pas uniquement pour faire la plaquette vivante, c'est également... en présence de notre invité d'honneur, de notre parrain, du parrain de Soumis Massen Turbo, Atomium, qui est là à présent, de retour. Ça va, Ato? Je suis heureux. Bah écoute, ouais, là je m'apprête à voir un peu les choses que tu vas me demander. Ah, parce que j'ai... c'est l'occasion. J'ai eu des requêtes, c'est vrai, il est vrai. Hein, on n'est pas là uniquement pour parler du jeu vidéo japonais et de la pop culture d'une manière générale. On est là, on s'est dit, puisque c'est le début de l'année, puisque la galette n'a pas encore été mangée. Ah, tu veux parler de la crise des boulangers déjà? On s'est dit qu'on allait faire un débat. On reprend l'année en main. On va faire le bilan de l'année 2022 du jeu vidéo japonais. On n'a pas eu le bilan. On fait le bilan. Calmement. On vous le doit. Et vous le savez, j'ai hérité de mon passé pas si lointain une nouvelle passion. Hein, c'est le passion du PowerPoint. Je l'ai aussi maintenant. Oui. Ah mais toi, tu étais vraiment doué hein, quand même. Non, très technique. Non, je vais dans les réglages. Il reprend les modèles. Ouais. En vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris un petit template et je me suis dit, allez, on va le mettre à ma sauce. Enfin, à la sauce. Bon. À la sauce Soumis Massen Turbo, c'est comme ça qu'il faut le dire désormais. Et vous allez voir sous vos yeux ébahis, regardez-moi ça, Soumis Massen Turbo. La Soumis Massen Turbo. C'est merveilleux. Soumis Massen Turbo, bilan 2022, c'est y part. On va parler évidemment de tous les jeux japonais, mais pas que, qui nous ont fait vibrer tout au cours de l'année. Et vous le voyez, alors là évidemment, nous sommes trois sur la photo, sur le PowerPoint, mais on va. Regardez ce petit effet. Hein, quoi? C'est vrai? Tout de suite? De quoi? Tout de suite? Ah non, non. Mais non, mais ça, c'est le sommaire. C'est le sommaire. Je t'ai briefé pourtant. D'accord, oui, c'est vrai. Ça pour dire. Cette émission est très bien préparée. Ça, c'est une marque de fabrique, tu le sais. Ah oui. Franchement, vous avez échappé à des trucs que vous imaginez même pas. Hubert, si tu peux mettre en grand, mon petit, mon amour, nous allons passer donc sur les nos meilleurs jeux 2022. Voilà, avec plein de choses à découvrir. Là, Hubert est en train de pianoter. Pourquoi la lumière, elle est plus forte là? Nos meilleurs jeux de 2022, vous allez voir qu'on a rubriqué tout cela. Hubert, il cherche le mode élargi. Ah, très bien. C'est la grosse flèche en haut, là. Sur PowerPoint. Bon. Il travaillait sa transition. Donc, ce soir, nous allons parler tous ensemble, réunis, du meilleur trip rétro. Voilà, regardez ce petit effet. Du meilleur remake remaster. Nous allons également désigner le meilleur... la meilleure brochette fromage de l'année, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la brochette fromage, c'est institutionnel. C'est un truc qui nous ressemble quand même. C'est le Japon pas Japon. C'est le Japon pas Japon, c'est-à-dire les jeux non japonais qui se réclament de l'influence japonaise. C'est la sauce Suzy One. C'est comme ça du Japon, comme on l'appelle. C'est la sauce sucrée du jeu vidéo. C'est la sauce sucrée sur le riz. Dans laquelle on trempe les sushis. La suite, ce sera évidemment la déception de l'année, le prix citron, parce que c'est important d'en parler. Nous allons également avoir, pouf, le plaisir coupable. Ah, franchement, j'ai bien envie d'avoir ton plaisir coupable. Oh, bah, tu le connais déjà, je pense. Le meilleur jeu avec des monstres, parce qu'il y en avait beaucoup et il a fallu faire un choix. Mais également le meilleur JRPG, parce qu'on sait que si vous aimez Soumis Massen Turbo et
qu'on a fait précédemment, vous êtes peut-être désireux de savoir quel a été le meilleur JRPG de l'année écoulée. Et on terminera évidemment avec le GOTY 2022 Tsumimasen Turbo. Mais avant tout cela, on profite... Regarde, attendez, je vous le refais. Chut, hop, ah, c'est attendez. Merveilleux. Ah, c'est fondu. Ah, fondu. Attends, c'est oh, c'est merveilleux. Trop content. Pour rappeler oh, avec oh, nous... Oh, tu m'as sorti la vieille photo de l'angoisse en plus, putain. Non, mais, oh, bah, c'est celle de ton profil. Oui, mais faut que je la change depuis 20 ans maintenant. Ah, c'est, bah, c'est, alors, c'est compliqué. Ça, je savais pas. C'est très compliqué. Oui. Pouillot, tu réussis allez, vraiment allez, bien allez. Avec un ordinateur. J'imagine ce que tu vas devenir quand tu auras, peut-être grâce aux gens de Patriotes, les fonds pour acheter une tablette. Imagine. Imagine, tablette graphique. Ah, ah, oui. Après, je suis pas très dessin. Très dessin. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même moi, c'est plutôt. Même musique, ouais, c'était c'est pas beau. Très PowerPoint avant. Donc, ouais, ouais. Tu peux avoir une, comme ça un truc. Mais révélé. Pourquoi vous le trouvez bien celui-là ah, c'est hein de, il est pas bien. Mal. Ouais, bon. Magnifique. Bon, tout ça pour dire qu'on profite surtout de la présence d'Atomium, puisque Atomium est. Bah voilà, est quelqu'un de. Qui très occupé. Très occupé, donc on veut pas le monopoliser toute la soirée, parce que là on en t'inquiète, a. T'inquiète, il a, en fait, il a commandé une pizza, on sait pas. On en a pour tout dire, au moins, au bas mot, allez, pour 1h30, 2h, hein, je pense. D'émission, facile. 4 heures, vous rappelez-vous, très bien. Rappelez-vous, quand on se met à table, c'est pas pour rien, on reste là longtemps. Et en général, vous, en fait, le signal, le signe qu'il faut arrêter, c'est que Hubert a faim. Mais j'ai mais prévu, enfin. J'ai prévu, je me suis dit, peut-être qu'on aura assez déjà dans le Patreon, donc j'ai mis de ma poche, j'ai dit, j'ai acheté des bonbons et des cookies pour Hubert. Donc j'ai nourri est-ce l'animal. Est-ce qu'on peut lui envoyer un peu de soutien quand même? Parce que ouais. Là, je pense qu'il en a pour un petit moment le pauvre, mais il bien attaqué quand même. Mais... Tout ça pour dire qu'à tour, on ne va pas te retenir pendant 1h30, 2h, hein, je pense que ce ne serait pas raisonnable. Mais on va te demander... Quels sont dis-moi tout. Les 3 jeux que tu as retenus? Je sais que tu en as plusieurs. Je sais que tu en as plusieurs dans plusieurs catégories. Je sais que tu es un adepte, déjà, de jeux rétro, que tu redécouvres, ouais. Voire découvres, tout simplement, certains grands noms du jeu japonais qui ont tourné, qui oui. Tournent, qui sont des références absolues. Et je crois que tu as soufflé un nom à Hubert pour commencer par ouais. Le meilleur trip rétro que tu as découvert cette année. Alors, pour introduire le truc vite fait, déjà, je vais quand même vous rendre hommage un tout petit peu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai découvert aussi parce que bah, j'en ai entendu parler chez vous. Je dois toujours faire Phantasy Star, ce n'est toujours pas fait, mais ça viendra un jour, le 4, il est très gravé. Très facilement disponible, donc t'as va. Ouais, je sais, mais t'inquiète, c'est prévu. Hein, c'est on va le faire en même et temps. Puis là, tu me dis quand tu commences, je rentrerai dans. Temps. Si tu veux, ça marche, Daniel, on fait ça. Et ouais, du coup, là, je suis rentré dans un vieux trip Matsuno parce que ça fait des plombes que je me suis dit, bah, quand même, il serait temps de voir ce qu'il y a au-delà de FF12 parce que je connaissais vraiment que ça. Et donc, je suis tombé dans un premier temps sur Tactics Ogre que j'ai fait avant qu'il y ait le remake. Et là, ouais, le jeu, on va dire, qui a fait mon année dans les redécouvertes rétro, bah, c'est clairement Final Fantasy Tactics, quoi. Alors bon. Je pense que tous les trois, vous l'avez fait, vous connaissez ça très, très bien. C'était pas forcément mon cas, surtout que, à l'heure actuelle, il est encore disponible qu'en anglais. Et bah, notamment bah, avec la version PSP qui est d'un anglais, on va dire, assez soutenu par rapport à la version PS1, même si elle a l'avantage d'être en 16/9 et bon, du coup, en condition confort, on va dire. Et ouais, non, en fait, j'ai halluciné parce que bah, c'est un jeu absolument exceptionnel. Alors évidemment, il y a le gameplay qui déjà fonctionne très bien parce qu'on est sur des arènes qui sont de petit temps, on va dire qu'on est sur des missions qui vont se terminer en 10-15 minutes, ce qui change d'un Tactics Ogre qui va durer à peu près une demi-heure par mission, voire une heure dans les grands cas. Et puis, putain, le scénar, quoi. Enfin, vraiment, on en a parlé un peu avec Pouillot, mais le scénar, mais incroyable. Vraiment, du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière minute, c'est ah, ça fait toujours ça, ouais. Ça donne envie de chialer par moment. Mmh. C'est ah, le bah, scénar Matsuno typique, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te raconte une histoire qui a mal fini, et tu sais que ça ouais. Va mal finir, et tu te dis, ah merde, ça va de mal en pis, et puis évidemment, c'est ah, vraiment une le ton espèce est donné de romantique dès le départ, en plus, d'heroic fantasy. Ouais. Et puis même, enfin, je sais pas, tous les persos qui étaient dedans sont fous. Et puis le visuel plus la musique, tout fonctionne super bien. Bref, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, bah, du coup, faire là, pendant la fin de mon année. Et je pense que, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment un de mes jeux préférés du genre parce que juste la synergie, on va dire, entre l'univers Matsuno dans l'écriture et son ambiance artistique qui est par les gens qui ont bossé avec lui. Alors, j'ai plus tous les noms, je l'avais noté pour la vidéo que je suis en train d'écrire dessus. Et puis derrière, bah, Ito qui fait toute la partie gameplay machin et qui gère le pacing du jeu, donc c'est-à-dire son rythme, on va dire. Donc toute la pondération entre narration, écriture et donc gameplay. Enfin, l'ensemble, je trouve vraiment fou, quoi. Donc non, vraiment, j'ai adoré. C'était ma découverte rétro de l'année, c'est clairement celle-là, quoi. Je tiens à trahir une petite confidence que tu m'as faite en préparant cette émission, qui, ah, quoi qu'en dise Greg, est toujours préparée de main de maître. Oula. Tu as joué, tu es allé jusqu'au bout de Final Fantasy Tactics sans faire appel. Sans Orlandu. Sans Orlandu, ouais. Sans Thunder God Seed. Je savais pas, moi.
Et ça, c'est BG. Alors ça, c'est parce que Orlando, c'est vraiment... Moi, j'ai fini avec Orlando à l'époque. Ouais. Ah ouais. Non, mais Cloud et... comment il s'appelle ? Et Baltier, ça fait le jeu, en fait. Parce que Baltier, il snipe à distance et Cloud, il fait tellement mal avec les limites break que du coup, ça passe, quoi. Parce que c'est vrai que sur la version War of the Lions que tu as découvert sur PSP, il y a Baltier aussi, en plus de Cloud, qui était déjà un guest dans le Final Fantasy. Et Orlando, qui est littéralement, il te fait tomber une comète sur la gueule. Voilà, il one-shot tout le monde. il butine sur la map, c'est un papillon, et une abeille. Et mais bon, ça, c'est de l'équilibrage de gameplay. Le principal, le jeu, c'est qu'il est extraordinaire et qu'il y a des passages ardus aussi. Hein. Faut pas croire que c'est parce qu'on te file des personnages durs, enfin, easy type à la fin. C'est vraiment un jeu qui est assez ardu jusqu'à un certain point et qui demande beaucoup, beaucoup de setup. C'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps à configurer tes persos, quoi. Moins que dans Tactics Ogre, pour les gens qui savent Tactics Ogre quand même avec leur Mais ils remaster, ont un peu simplifié moins dans Tactics Remake, pour ce que j'ai vu. Ouais, bah écoute, ouais, c'est enfin, on pourra en reparler, mais c'est autre chose pour Tactics Ogre. C'est qu'ils ont vraiment même j'ai hâte de voir ta clarifié vidéo, l'interface et tout ça. Bah là, mec, c'est vraiment un gros projet. J'en ai pour un moment parce que c'est long. Mais par contre, je me régale, quoi. Parce que c'est vraiment... Bah, quand tu kiffes comme ça, le jeu et surtout l'ambiance, après, en termes de montage, c'est du caviar, quoi. Parce que les musiques marchent bien et tout ça, donc c'est assez cool. Ah, juste parenthèse, il y a des gens qui veulent l'essayer parce que bah, je comprends que voilà, ça vous intéresse. Bon, on ne sait pas s'il y aura remaster par remaster, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui se butent sur le fait de faire des patchs du jeu pour le rendre plus accessible et plus équilibré, notamment. Il y avait déjà une passe qui avait été faite sur la version PSP de Tactics Ogre. Et là, il existe un patch fan. Bon, je sais pas dans quelle mesure vous parlez de ce genre de choses-là ici, mais c'est vrai que bah là, ça vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça rééquilibre beaucoup de choses, notamment le fait qu'il n'y ait pas le scaling des rencontres aléatoires. Ah ouais. Et donc, ça fait qu'on peut ne pas se faire buter par un chocobo niveau 35 parce qu'on est niveau 35. Ah, les dark chocobo niveau 60 qui te fument, ça, c'était... voilà. Et aussi, c'est quand même un jeu qui te permet justement de choisir un chocobo, de l'encercler et de donner un coup... Et chacun donne un coup tout pourri, et puis tu fais monter les drop points. Oui, c'est vrai. Tu fais monter à main nue. Et le chocobo, il se fait tabasser pendant une heure, c'est dégueulasse. Ah, le système de job, il est un peu dur. Ouais. Bref, War of the Lions, c'était ton trip rétro. Et je tiens à dire que je te suis parce que cette année, je me suis refait. Je suis au dernier château, mais je me suis refait Vagrant Story. Allez, c'est mon prochain là. Tu vas halluciner. Mais cette année, c'est Vagrant Story Xenogears de mon côté, donc je pense que ça va être une belle année. Et Phantasy Star 4, évidemment. Oui, évidemment. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pourquoi s'arrêter au 4 ? Non, c'est vrai, 1, 2, 3, 4, parce qu'on m'a dit que vraiment c'était le 4, la référence. Ah, après, oui, bon, mais le 4 est mieux, mais si tu veux chialer au 4, il faut avoir fait au moins le 1 et le 2 avant. Et le 1, ah, merde. Il se fait très ah, terrible. Vite. Le 1, il est quand même pas très long. Putain, vous me rajoutez des heures, là. Ok. On va voir. Je vais regarder ça. On passe, je crois, le deuxième jeu auquel tu avais envie sur lequel tu avais envie de revenir, c'est ton plaisir coupable, si je ne m'abuse. Est-ce que je me trompe ou pas? Et le plaisir coupable, tu vois, c'est préparé, mais pas trop. Et le plaisir coupable, tu avais un jeu Switch, si je me souviens bien. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Plaisir coupable, c'était complètement autre chose. Ah. Mais alors, du coup, je me demande si Hubert a la bonne image. Parce que c'est quelque chose qui permet de parler d'autre chose, en fait. Parce que plaisir coupable, j'ai pas tellement de jeux où je me suis buté alors que je me dis, bon, c'était pas si génial. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment adoré Bloodborne PSX. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était le remake Bloodborne. Et en gros, ouais, c'est plaisir coupable parce que tu sais que c'est pas, voilà, c'est pas un Bloodborne, voilà, c'est pas du niveau d'un Qualité Souls et compagnie. Mais il y a un truc super intéressant dans le délire de voir ce que font les gens de la communauté du D-Make en général. Et donc là, bah, c'est quelqu'un qui a vraiment essayé de retaper le truc sous forme de Nightmare Creatures pour les gens qui ont la ref. Et ça donne quelque chose d'assez surprenant parce que, bah, tu vois que déjà ça marche plutôt bien. Et c'est toujours intéressant de voir la réflexion qu'il y a derrière ces projets qui se disent à quoi ressemblerait le scope de ce jeu-là si on le transposait il y a 20 ans. Et notamment, bah, il y a toute une chaîne qui faisait ça avec, bah, par exemple, Uncharted en mode vieux Tomb Raider, Crash Bandicoot, tout ça. Et là, Bloodborne, je trouvais que le taf était assez exemplaire. Après, voilà, tu joues à ça, c'est un petit jeu, un petit projet. Et là, on sait que la créatrice de ce jeu-là, elle est sur Bloodborne Kart. Enfin, voilà, ça va dans tous les sens, quoi. Mais ça reste des projets intéressants à suivre, à la fois pour la démarche et pour le gameplay. C'est dommage qu'on ait pas d'image. Je sais pas si Hubert, il avait... Tu me donnes envie, hein, parce que Bloodborne, c'est un jeu sacré pour moi. Mais je sais, Daniel, sais vraiment. Mais c'est à faire au moins pour l'expérience. Et surtout, bah, voilà, tu as connu les années PS1, tout ça. Et de voir ce qui a servi de base pour construire le gameplay de ce Bloodborne machin, en fait, tu te dis, bah, est-ce que c'était pas déjà la rêve de Bloodborne à l'époque, quoi. Il y a un peu ce truc-là qui est intéressant. Ah, mais je le ferai. Merci pour la reco. Bon, si ce n'est le plaisir coupable, c'est ton coup de cœur, c'est ça, hein, qu'on avait. Alors attends, Ah oui, bien. Non, plaisir coupable. Non, mais tu oses me dire que mon coup de cœur était un plaisir coupable? Moi, j'ai entendu plusieurs sons de cloche, à vrai dire, sur ce coup de cœur. Ah non,
C'est pas possible. Et tu as joué ou pas? Bah non, pas encore. Ah punaise, c'est pas possible. Ah, peut-être moi. Non, je vais avoir une surprise. Bayonetta 3, c'était un jeu de fou. Enfin, en gros, c'était un peu le jeu de l'année, sans être... Parce que bon, mon jeu de l'année, c'est Elden Ring, mais là, disons que ouais, non, Bayonetta 3, c'était vraiment un jeu de fou, quoi, parce que justement, on retrouve un Platinum Games qui, certes, compile un petit peu des idées qu'il y a eu sur d'autres projets qui sont sortis ou non, évidemment, parce qu'on retrouve un peu de ce qu'aurait pu être l'autre jeu qui était sur Xbox. Greg, tu l'as. Scalebound, c'est ça? Oui, hélas. Ouais, et donc bah, on retrouve un peu de ça dans Bayonetta, dans cette idée de... Même un peu Astral Chain aussi, avec ce gameplay en duo, on va dire. Mais moi, ce que je trouve absolument fou dans Bayonetta 3, c'est que on avait Bayonetta 1 qui proposait une formule, Bayonetta 2 qui propose la même formule en version polish, on va dire, sur certains aspects, et peut-être plus fluide, plus accessible pour les gens qui n'ont pas envie de se buter sur la complexité du gameplay. Et donc, finalement, une version très facilement tout public, vendable et compagnie. Et là, ils cassent tout et ils recommencent, ils font un autre jeu, quoi. Et Bayonetta 3, c'est vraiment un autre jeu. Donc, il y a effectivement l'univers. On va retrouver des éléments de gameplay, mais ça se conçoit de manière complètement différente. Et je trouve ça trop intéressant, justement, cette démarche de casser un peu tout pour proposer autre chose. Et surtout que l'autre chose en question, il y a des irrégularités, comme toute nouvelle expérience de jeu, on va dire. Mais par contre, bah ouais, ça a de la patate de fou, quoi. Et puis, plus t'avances dans le jeu, plus tu fais les niveaux de difficulté hauts, plus tu te rends compte de la profondeur. Et non, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, j'ai adoré. Alors, tu sais que j'ai pas mis Bayonetta 3 dans ma sélection parce que je l'ai pas fini. Mais par contre, tout ce que j'en ai joué, j'ai préféré au 1 et au 2. C'est-à-dire, il y a des éléments c'est de jeu qui sont pas le cas de, tout le monde, hein. De l'ordre de l'urbex. Bah, regarde, ouais. C'est un mot-clé, urbex. T'as un train de... T'as la Yamanote qui est effondrée. Vraiment, et tu te balades dans certains quartiers très, très, très précis de Tokyo. Ensuite, il paraît que tu vas à Paris, j'y suis pas encore... Et en plus, le bonus, c'est que tu utilises un kaiju dans tes combats. Mais c'est... Ouais. Et à un moment, enfin, plusieurs t'as un énorme kaiju, t'as une espèce de Godzilla, et il utilise des petits yachts pour se faire des petits réacteurs pour aller dans la flotte. C'est à se pisser de rire. J'ai adoré Bayonetta 3, ce que j'en ai joué, et ça me donne rien que le voir, ça me donne envie d'y jouer. Même au niveau des pouvoirs, t'as des prouesses de fou. Par exemple, tout ce qui tourne autour des déplacements de l'araignée, par exemple, c'est un truc qui est quand même assez exemplaire parce que bon, il y a le concevoir en tant que gameplay, ce qui est déjà quelque chose en termes de tech. Et puis il y a le faire marcher dans un environnement, donc un level design avec à la fois le côté énigme, mais aussi le côté combat. Et en fait, tu te rends compte que juste il y a eu énormément d'idées autour du jeu. Et il y en a beaucoup qui sont dans le jeu final, quoi. Enfin, tu sens qu'il y a des choses qui sont coupées. Je pense que le jeu aurait voulu être plus ouvert et tout ça. Et d'ailleurs, ça semble que le rythme du tout début, il est un peu lent finalement par rapport au reste qui s'enchaîne très vite. Mais vraiment, non, il y a tellement de bonnes idées. Enfin, non, ce jeu, il est assez intéressant. Et je pense que c'est un jeu qui aura plus de vie plus tard qu'aujourd'hui. Ouais, parce les que gens peut-être y que c'était pas, ça n'a pas nourri les attentes des gens qui attendaient Bayonetta 3. Je sais pas comment dire ça. Ils vont... Non, mais clairement, il y a des gens qui imaginaient quelque chose d'autre et qu'ils ont eu quelque chose d'autre à la place. Et je pense que ce jeu sera réévalué un peu comme. Bah, DMC4 ou ce genre de choses. Les gens même Metal Gear Rising, quoi. Tu vois, qui DMC3 aujourd'hui, plutôt, j'aurais dit, mais oui, ouais. Non. DMC3, il était quand même dès le début. Ouais. Ce jeu est vraiment, il est vraiment ultra, ultra intéressant, enfin, ce qu'il propose. Et puis, ce qui manque, c'est Raiden, je pense. Et le mot Revengeance 2, mais c'est moi. Bayonetta Revengeance 3. En tout cas, vous me l'avez bien vendu d'un coup. J'ai envie, hein. C'est l'école du gameplay, ça fouille, c'est pour ça. C'est l'influence. Allez, voilà. Je n'en dis qu'elle est lettre calée, ça. Je pose devant une statue Ponso. Bon, et puis, on y vient, forcément. Est-ce que tu avais un autre jeu que tu voulais mentionner avant de partir tout de suite sur ton GOTY? Je sais pas ce qu'il y a prévu. Ben, parce que oui, non, mais, tu sais, des jeux, j'en ai un milliard et j'en teste beaucoup. Mais non, mais on va en rester là et je vais laisser la main sur tout le reste, évidemment. Bon, le GOTY. Mais en tout cas, merci. Ton GOTY. Merci hein, pour ces jeux parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on aurait. Ils ne sont pas du tout mentionnés. Ils ne sont pas dans la liste. Donc, du coup, c'est vraiment super d'avoir vraiment un son cloche différent et passionné. Ouais. Mon regret, c'est que vous n'allez pas parler de Chain Echoes. Est vraiment un jeu qu'il aurait fallu mettre en brochette de fromage chez vous, quoi. Alors, vraiment... j'y ai joué sur la... J'ai première fois que je touchais une Steam Deck, il n'y a pas longtemps. C'était le jour... Ouais. Je crois qu'il y avait un match de foot. Et ça s'est terminé avec des tirs au but, je crois, Pouillot. Tu m'as dit de ne pas en parler. C'est un trauma. C'est un moment douloureux, je trouve. Mais moi, ce jour-là, j'avais une Steam Deck et on m'a filé ça. Et bah, c'est comme aux enfants, finalement. Ouais, tu m'as dit, on t'occupe. Non, mais ça avait l'air super. Ça avait l'air... Vraiment, j'ai envie d'y jouer, mais vraiment très, très fort. Et les musiques avaient l'air super, toi qui as joué. Il a une réputation extraordinaire. Très beau et très référencé. Ouais. Donc à vous qui avez toutes les refs, c'est oui, sûr. Oui, ça commence comme Chrono Trigger, en fait. Ouais.
Il y a plein bien, de merci infiniment, Atomium. Merci à vous, c'est l'honneur est pour moi. Non, mais c'est incroyable. Et du coup, il parle pas de son GOTY ? Ouais. Ah, mon Gauthier, c'est le vote, vous allez en parler pendant 20 heures. Quoi donc... Ça spoil direct. Mais qui sait, on ne sait pas. Ah, on va spoiler le Gauthier. Le mystère est total. Tant que vous ne calez pas un Sonic. Non, pardon. Je vous laisse. Tant que c'est pas Sonic, ça va. Ah, Sonic est très mentionné, je pense. Qui sait. C'est bon, ça, c'est pour la blague. Mais non, mais bon, bref. Elden Ring, je l'ai déjà dit et je pense que vous en parlez largement. Merci à toi, Atto, d'avoir pris le temps en cette soirée particulière pour nous. Merci à vous, encore bravo pour tout. Et de tes conseils et de ta bienveillance. Et on se retrouve très très prochainement, c'est sûr, déjà offline, pour des conseils, des vrais conseils, voilà, des vrais tuyaux. De la stratégie. Je t'attends dans mes DM demain. Ouais, c'est ça. Comment on active le truc, là? Et les Patriotes, ils n'ont pas accès au Discord et les mots-clés. À toi de la maintenance, c'est bon, quoi. Vite. Et à très bientôt dans Soumimasen Turbo. Merci, merci, merci. Et les autres, Soumimasen Turbo et Combo, j'espère. Et Combo et tout le reste. On verra si. On espère. Merci beaucoup. Pour un signe de finishment, à l'occasion. Excellente soirée. Bisous et mes meilleurs vœux. Putain, quel pro. Ah bah voilà, on termine sur mon PowerPoint, du coup, c'est beaucoup plus triste. Bon, tout ça pour dire. Mais franchement, ça m'a fait kiffer de parler de Bayo. Putain, mais il me l'a vendu. Vu, hein. Ouais. Mais c'est ça, t'as déjà vu ses vidéos? Il est bien sûr, méga passionné et tout, il dit les choses bien. Alors, pas comme on est là, grognonieux, framerate. Framerate de Bayo 3. Ça se trouve, le mois prochain, je reviens et je dis ah, Bayo 3, le framerate. Non, mais tu revois le mois prochain et tu te dis putain, les armes qui cassent, finalement. C'était un super jeu, en fait. Bon, vous avez le sommaire sous les yeux, ça c'est pratique, et vous allez voir qu'on va tout de suite passer au meilleur trip rétro. Et alors, regardez, parce que je vous fais. Hop. Ah, ça n'a pas fait le. Attends, je refais. Est-ce que mon effet? Voilà, mon effet. Ah, voilà, petit fondu. Meilleur trip. Tu auras fait pour le fondu. Juste pour le fondu. Non, mais t'es ouf. Il en est fier. Ça m'a pris 3h30 au moins. C'est comme quand tu découvres, quand tu fais les additions sur Excel, après, t'en mets partout. Putain, quand j'ai découvert ça, c'est super. Bon, excusez-nous. Hein. Bon, regardez l'effet qui va suivre. Le meilleur trip rétro, parce que je me suis dit, il faut qu'on soit quand même concis, parce qu'on a beaucoup de choses à passer en revue. Tu sais que ça n'existe plus, hein. Ça, blague de vieux, blague de daron. Ah bah non. Ah non, consiste. Non, ils ont fermé. Ah mais oui, c'est vrai. Non, faut savoir. Attends, faut remettre en contexte. Ouais, les digressions, première et pas la dernière. C'était une boutique de jeux vidéo. KONCI, c'était une boutique qui faisait de la Japanime jusqu'au début des années 2000, je dirais. Et jusqu'à la fin du physique, en fait. Oui, bah ils ont eu. En fait, ils ont eu pignon sur rue pendant plusieurs années. Des boutiques au boulevard Voltaire, mais loin dans boulevard Voltaire. Ouais, c'était autour du 120, quelque du chose. Du 120, genre passé métro Voltaire. On va dire que c'était l'autre Tonkam. Voilà, il y avait Tonkam pour l'officiel et Concis. Et Concis pour. Alors, pour le reste. Ils avaient du SM Records. Alors, SM Records, ça n'a rien à voir avec une pratique sadomasochiste, bien sûr. Je précise. Attention, je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent. C'est vrai. On a des enfants, des amis. On n'a pas mis la restriction d'âge. Voilà. On n'a pas mis de restriction d'âge, mais on fait très attention à ce qu'on ne dit pas de gros mots. Donc SM Records. Sun May Records. Mm. Eh bien, écoute, c'était la version pirate de ce qui était vendu en Asie de l'Est. Alors, c'est pas exactement. C'était l'officiel de l'Asie du Sud-Est. Plus particulièrement, SM Records, c'était là que tous les gens qui étaient fans de dessins animés japonais dans les années 90 s'alimentaient. SM Records, en fait, c'est une marque qui a été créée à Hong Kong pour arroser toute l'Asie du Sud-Est. Parce qu'effectivement, déjà à l'époque, les mangas et les dessins animés japonais étaient très populaires dans toute l'Asie. Et le piratage était forcément extrêmement présent. Donc, pour éviter que circulent des choses de mauvaise qualité et surtout pour garder un espèce de semblant de contrôle, a été créé ce label qui s'appelle SM Records, qui était en fait... qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est bien qu'appuie sur la mauvaise touche. J'aime bien cette touche-là. Continue. Et donc du coup, cette société a été créée et basée donc à Hong Kong, si je me souviens bien, pour publier en version low cost les CD qui existaient, qui sortaient au Japon. Donc... Par exemple, tu étais fan de la BO de Ghost in the Shell. Soit tu achetais le CD officiel que tu avais fait venir du Japon à Junku et tu l'achetais aujourd'hui l'équivalent d'une trentaine d'euros. Ah, plus. Quarantaine d'euros. Attends, c'était cher, hein. Alors, cher. Attends, on était en francs. Ouais, 45 euros. On était en francs. Entre 40 et 45 euros. Les CD originaux
à Junku était vendu 140-200 francs. Voilà. Parce qu'il faut savoir que 3000 yens, 4000 yens, ça faisait ce prix-là. Mmh. Et tout de suite, c'était même 250. Alors que là, tout d'un coup, tu pouvais avoir les 100 francs. Voilà, pour 90 euros. Voilà, pour 15 euros, 14 euros 90. Ils te faisaient en dégressif si tu prenais. Si tu prenais 5 CD, le 6e était moins cher ou voire gratuit. Et si tu prenais le Chrono Trigger, par exemple, qui était un gros box, quoi, c'était 3 CD, bah, du coup, c'était une version, c'était moins cher, beaucoup moins cher que la version officielle. Ouais. Et c'était plus ou moins la même chose, puisqu'on est sur du. Bah, les CD, c'était les mêmes. Il ouais. n'y a pas le booklet intérieur. Bah, le booklet intérieur était en général de moins bonne qualité. Mais l'audio se tenait. Voilà. C'était moins bien souvent que la. Bah, c'était pas aussi bien gravé. Pas aussi bien gravé. Il y avait quand même des dissonances quand tu passais. Enfin, tu voyais la différence entre l'officiel et non. Oui, bien sûr. Mais c'était pas. C'était largement suffisant. C'était, et puis il faut, c'était aussi surtout une époque où on ne pouvait pas télécharger les MP3, ou très peu. C'est-à-dire qu'il fallait faire tourner l'ordi une nuit entière pour avoir deux chansons. Donc forcément, c'était le Graal. C'était le Graal. C'était entendu que c'était plus ou moins des versions. Pas bootleg, c'est entre le bootleg et le pirate. Mais quand on lui disait si c'est de l'officiel, le mec il faisait ouais bien sûr. Mais... Bon, donc à partir du mot concis, voilà, excusez-nous, on a déjà digressé. Faut juste dire synthétique en fait. Faut juste dire concis n'était pas le seul à en vendre. Il y avait Musica. Musica dans le 13e était un. Ah, mais tout le monde en avait. C'est-à-dire qu'à part Junku qui s'alimentait directement au Japon, la plupart des boutiques s'alimentaient chez des grossistes à Hong Kong. Et surtout, est-ce que je peux vous dire là où concis était très malin, et je te coupe Daniel, c'est qu'il fournissait un catalogue de vente par correspondance qui était avec toutes les illustrations en couleur sur papier glacé. Et alors, ça, je peux vous dire que j'étais là tous les matins à regarder chaque page, chaque truc, en me disant celui-là il sera mien et tout. Je cochais les croix sur ceux que j'arrivais péniblement à m'offrir. C'est vrai qu'à raison de 15 euros le CD, fallait un peu économiser. Mais c'était l'époque aussi où tu savais pas trop ce que t'achetais. Donc, tu regardais. T'avais la surprise en arrivant. Ah, ça a l'air trop bien. Et en fait, tu te retrouvais avec un drama CD et t'étais dégoûté. Mais quoi. Il faut savoir un truc, c'est que souvent, quand on achetait les CD, surtout d'anime en fait, parce que tu savais pas vraiment ce que t'achetais. Tu prenais des risques, tu savais pas exactement, donc ça nous est arrivé d'acheter par exemple des disques de Dragon Ball. J'en ai acheté en SM et je me disais qu'est-ce que c'est, et puis finalement c'était que des Image Song. L'Image Song, ce sont des chansons inspirées de l'animé, mais qui sont des chansons d'illustration, mais pas forcément utilisées dans le dessin animé. D'ailleurs, lui, utilisé parfois une demi-fois. Voilà. Est-ce que je peux te dire qu'un certain cousin de vous, Monsieur Verlet. Tu veux dire l'homme qui a composé l'incroyable générique de Sumimasen Shorbo a fait un remix justement sur sa chaîne de Skata no Skata, je crois que c'est comme ça que s'appelait la plage, qui est une chanson de Dragon Ball, une image song, où c'est uniquement le trick du dispositif de scanner qui s'appelle Skata en japonais. Et du coup, voilà, et c'est l'occasion de reparler de ce monsieur. On retombe sur nos pattes, et là, de toute façon, on a fait un trip rétro, donc ma transition était tout à fait tombée. Ouais, meilleur trip rétro, donc. Excusez-nous. Vous allez voir, ça s'affiche en même temps, justement, pour éviter que ce soit chacun son tour. Juste pour dire, les gens voient que quand. Avant, on faisait des émissions montées. Ouais. Tu sais quoi, ils voient qu'en live, c'est la même chose. Ils voient qu'en live, c'était pas monté, et Kuber, finalement, il se contentait d'envoyer la VOD direct. Alors attention, pouf, la voici. Regardez, alors on vous a mis des jaquettes rétro, pour le coup. Et si j'en crois ce qui est écrit, meilleur trip rétro de Greg, c'est Phantasy Star 2. Meilleur trip rétro de Daniel, c'est Vampire Survivors. Et mon trip rétro, c'est SNK versus Capcom, Card Fighters Clash. Tout de suite, il me vient une question, mon cher Daniel, c'est à toi que je m'adresse. On dit Sumimasen Turbo, c'est la nouvelle bible du jeu vidéo japonais sur YouTube et sur Patreon et sur Twitch et sur tout ce que tu veux. Et tu me sors un jeu occidental. Alors, oui, mais il y a une raison à ça. Si tu as joué à Vampire Survivor, ce jeu n'existerait pas sans le Japon et sans Konami. Et je me demande, quand je regarde le jeu et à chaque fois que je boote le jeu, je me dis, mais... Ils ont tout pompé, mais surtout, tu sais... Tu sais, par exemple, nous, on fait attention à ce qu'on dit, tu vois, sur le passé, tu vois. Là, c'est un jeu qui ne fait pas attention à ça du tout, puisque tous les sprites sont repris d'un certain jeu. La musique, toutes les icônes des armes dans ce jeu sont toutes reprises sur Castlevania. Voilà, je l'ai dit, c'est Castlevania. T'aurais pu être subtil, t'aurais pu dire serviette hygiénique château, tu vois. Oui. Mais voilà, donc voilà. C'est un peu le spin-off de Castlevania qu'on n'a pas eu et qui est à la fois un trip rétro parce que vraiment,
revoir tous les personnages. Et les personnages, ils sont vraiment très, 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 très proches de Castlevania. Donc, du coup, ça m'a fait plaisir. Les armes ont l'air d'être les mêmes, hein, les haches. Il y a les haches, il y a la. Les boomerangs. Non, mais il y a la fiole, il y a les. Il y a tout. Il y a tous les épées qui vont tout droit. C'est vraiment. Honnêtement, je serais Konami, je ferais. C'est pas possible. Mais en même temps, Konami, ils sont trop occupés sur trois jeux en ce moment, à savoir Silent Hill, Silent Hill et Silent Hill. Et Suikoden 1 et 2 remake, hein, ouais. Faut-il le dire. Je pense que Suikoden 1 et... Oui, ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Mais voilà, donc oui. Non, en fait, donc je considère que c'est un trip rétro pour moi. Et surtout, ça, en fait, j'ai vu les catégories et je me suis dit comment le placer. Comment le caser, ouais, c'est je pas... vous vois venir. Bien vous voulez en parler après. Ah bah oui, mais c'est pas un plaisir coupable. Je trouve que c'est un jeu. Tu l'aurais pas mis en brochette fromage, du coup. Ah non, parce que j'ai un autre brochette. Eh oui, ah, vous connaissez Daniel. Hein. Il se joue des règles. J'essaye un peu de respecter les feux rouges, là, mais là, voilà. Du coup, ouais, non, Vampire Survivor, si vous n'y avez pas joué... Après, en même temps, je parle d'un jeu qui a fait des millions. Des millions de clones aussi. Et hein. Moi, j'ai joué en... C'est le premier jeu de ma vie que je joue en Early Access. Oh. Ouais, non, j'ai jamais joué en Early Access de ma life. Si, et le deuxième, c'était un jeu de train qui est sorti cette année, sponsorisé par la JR. Je l'ai pas la mis. La JR, donc... Je l'ai pas mis, j'en reparlerai... Japan Railways. J'en parlerai dans le prochain Sumi Masen. Tu donnes envie. On fera un spécial jeu de train, j'espère, un jour. Ah bah, pourquoi pas. On fera des... ça pourrait être bien, en plus, on pourrait se faire super Sumi Masen combo jeu de train. Et du coup, Greg, tu nous sors Phantasy Star 2. Alors, il est sorti cette année plus ou moins. Par quelle année il est sorti? Non, là, je fais mon... Par la Mega Drive Mini. Non, je fais mon... La Mega Drive Mini 2. Mega Drive Mini 2, il est dedans. En fait, c'est mon trip rétro, mais je n'y ai pas joué. Non, c'est Ah, Greg, je t'adore. Non, c'est juste que ça a été mon trip rétro, mais mon trip rétro 2, je me suis repassé les musiques en boucle quand on a appris le décès de la co-créatrice du jeu, Kodama Rieko. Donc, je me suis tapé un trip rétro. C'est-à-dire, je me suis écouté les musiques, à me remémorer un peu ce qu'était ma vie au moment où j'ai découvert ce jeu. Donc c'est un vrai trip rétro. Et j'ai relancé... Dans le sens premier du terme, tu vois. C'est-à-dire que j'ai rejoué au jeu, mais je me suis replongé dans les... Enfin, c'était un état quasi hypnotique, tu sais, où tu te mets dans le noir, t'écoutes la musique et tu revis un peu ce que tu... JRPG de la Mega Drive qui est sorti en 89 au Japon. Toi, tu l'as découvert un petit peu après. Je l'ai découvert en 91, moi. Et voilà, donc j'ai refait le bilan de 30 ans de vie en écoutant les musiques de Phantasy Star 2. Enfin, non, c'était pas aussi profond que ça. Hein. C'est juste que j'ai trippé, tout simplement. Et alors, c'est pour ça que c'est un vrai trip rétro. Et alors, moi, j'y ai rejoué, moi, Phantasy Star 2, puisqu'il est sur Mega Drive Mini 2. Et sur Mega Drive Mini 2, il est disponible en japonais et en anglais. Donc, moi, je me suis acheté une japonaise. Mais il est disponible aussi en anglais et il est dispo en version Easy Type. Oui, c'est-à-dire il a été rescalé pour que l'XP aille plus vite. Et c'est pas de refus, et surtout les écrans long, qui flashent à chaque coup. J'ai l'impression qu'il y a moins de combats aussi. Parce qu'avant, il donne plus d'XP aussi. Ouais, et il y a une fréquence de combat aléatoire qui est moins acharnée. Et en fait, c'était une version que M2 avait déjà réalisée pour la compilation Phantasy Star Collection sur PlayStation 2. Mm-hmm. Et ils l'ont intégrée, puisque M2 est également à la conception software de la Mega Drive Mini 2. C'est des génies, hein, parce qu'ils font aussi le Mega Drive sur Switch. Enfin, vraiment, M2, c'est vraiment le plus gros ghost développeur du... Enfin, en tout cas, qui met le plus cher au Japon, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment... Un autre ghost développeur, lui, se charge de convertir les jeux Neo Geo Pocket Color, ce qui ne nous rajeunit pas non plus, sur Switch. Et en début d'année, est sorti SNK vs Capcom Card Fighters Clash, dont on m'avait toujours dit le plus grand bien. Et moi, je suis pas très jeu de cartes, hein, pour tout vous avouer. T'as pas essayé Marvel Snap? Non. Bah, non. Ça, c'est le Marvel Snap des vrais, tu vois. Ouais, exactement. C'était Marvel Snap Before It Was Cool. Mais en tout cas, il est sorti en janvier dernier, donc janvier 2022. Et j'ai surkiffé ma race. Il est d'ailleurs dans le top des jeux que j'ai le plus joué. Auxquels j'ai le plus joué en l'espace de 4 à 5 jours. Donc c'est dire à quel point je l'ai surexploité. C'est vrai que tu m'as montré. Et en plus, il faut que je l'avoue, parce qu'on était à un repas avec un ami commun. Que l'on c'est salue. Vrai. Qu'on salue si, s'il est là. Quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Et tu nous as montré, tu sais, les achievements de la Nintendo. Le Wrapped. Et il y a une catégorie sur le Wrapped Up de version japonaise. C'est le jeu auquel tu as joué le plus dans le laps de temps où tu l'as racheté. Ouais. Évidemment, c'était celui-là. C'était à la grande époque du crossover SNK vs Capcom. Il y avait eu donc les différents jeux de baston du côté Capcom, du côté SNK. Et il y a eu ce jeu SNK vs Capcom Card Fighter Clash où tu fais s'affronter des cartes à l'effigie des différents personnages. C'est un peu le principe. Voilà, c'est Pokémon Trading Card Game. Tu te balades sur une map et hop, tu rencontres des PNJ qui te défient. Et je l'avais déjà raconté lors de nos tribulations passées.
Ça, c'est pas mal, sa tribulation passée. Et bon, c'est bon, hein. Tribulation, c'est l'euphémisme. Voilà. Et j'avais déjà raconté à quel point c'est l'avantage de cette version Neo Geo Pocket Color sur Switch, c'est qu'elle offre une option rewind. Et je m'étais aperçu que la RNG des cartes qu'on donnait à chaque combat gagné était générée au moment où tu appuyais sur le bouton. Donc t'as fait une sauvegarde avant. Ouais, t'as fait une sauvegarde de filou. Bah c'est le jeu qui l'a fait pour toi. Ouais. Moi j'y suis pour rien. Le jeu le propose cette option, donc pourquoi pas s'en servir après tout. Et donc tu reset jusqu'à avoir les bonnes cartes. Ce mec-là il veut un rewind sur. Je reset jusqu'à avoir Chrysalide ou Wolfgang Krauser. Voilà, ça. Quelles sont les cartes craquées du jeu, j'imagine. Ouais, elles sont pas mal. Ouais, elles servent bien. Et en tout cas, ça m'a permis. Mais regarde la malice qu'il a dans le regard quand il parle du rewind. Non, mais ça marche bien. En tout cas, meilleur trip rétro parce que déjà le jeu en lui-même est excellent et puis l'habillage autour. L'âge d'or des SNK. Ouais, l'âge d'or des SNK qui est en train de revenir, hein, en tout cas de reprendre le poil de la bête. De reprendre les pétrodollars. On passe à la suite, la rubrique suivante. Je pense que c'est le mot juste, les pétrodollars. Attends, il faut que je refasse, il faut qu'Hubert me fasse le petit effet glisser-décoller. En fait, tu m'as donné envie d'y jouer. Ah bah, formidable. Bah voilà, tu pourras... Tu sais, je suis sur Marvel Snap en ce moment. Tu pourras dire, j'en ai entendu parler dans Soumimasen Turbo. Attention, mais, attention, je l'avais à l'époque sur la console Neo Geo Pocket. Et je l'ai un peu laissé en plan parce qu'il y avait d'autres choses. Meilleur trip rétro à ne pas confondre, même si c'est assez proche, avec meilleur remake remaster. La nuance est pareil. Mais elle existe. Et en 2022, il en a sorti une tétrachier comme chaque année, finalement. Tu sais qu'il y a des gens qui ont regardé une certaine émission où on participait avant et m'ont dit... ils m'ont fait... Mais tu sais qu'il y a une émission où j'avais dit... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire cette génération? Ils ne vont pas faire des remasters de The Last of Us, des remasters de remasters? Bim, je devrais faire des extraits de ces trucs. Alors, pour chance, hein, The Last of Us, c'est un jeu occidental, donc on ne parle pas de jeux occidentaux comme vous en êtes aperçu depuis quelques minutes. Attention, les yeux, les voici, les voilà. Meilleur remake remaster selon Soumimasen Turbo. J'aime bien ces annonces comme ça. Voilà, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge pour Greg, Live Alive pour moi et Final Fantasy VI Pixel Remaster. Greg. Oui. Tu vas prendre la parole, tu vas prendre le bâton de parole. TMNT Shredder's Revenge. Alors, c'est à la fois un remake et une nouvelle version. C'est ça. Moi, je voulais parler de ce jeu qui est un remake sans être un remake. Disons que c'est un jeu japonais. C'est l'héritier d'un esprit. J'hésitais entre le mettre en brochette fromage et le mettre en remake remaster. Et pour moi, c'est plutôt un remake remaster dans la mesure où c'est vraiment un jeu qui rend hommage... À Turtles in Time et aussi à la version arcade du beat'em up des Tortues Ninja. Et c'est un vrai petit bijou qui reprend tout ce qu'on a aimé à l'époque et qui le sublime, parce que même si Turtles in Time ça a été une incroyable vitrine technologique pour la Super Nintendo à l'époque, les musiques étaient extraordinaires, l'effet de zoom quand tu balances les mecs sur la caméra et tout. Finalement, c'était un jeu qui, une fois que t'en avais pris plein la gueule, c'était un jeu que tu finissais en une après-midi, le challenge n'était pas top. Et on a tous regretté, en fait, dans ce jeu, qu'il n'y ait pas plus. C'est-à-dire que tu le finissais en une après-midi, et puis après quoi ? Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est un remaster aussi, dans le sens où on sublime le concept de base, mais on rend aussi hommage aux autres jeux Tortue Ninja qui ont traumatisé des générations de petits occidentaux sur la NES, hein, ouais. avec le premier Tortue Ninja. Ouais. Qui fait la joie des youtubeurs rétro d'ailleurs, hein, genre regardez, c'est nul, c'est moche, c'est infinissable. Qui est sorti dans la Kowabunga Collection. Voilà, exactement, et du coup il y a aussi ce côté-là, ils ont rajouté des objets à collectionner, des quêtes secondaires, tout en gardant effectivement le côté pixel art et jouabilité à l'ancienne de l'original Turtles in Time. J'aime énormément aussi le fait qu'on puisse jouer à plusieurs en coop. Ça, c'est très important parce que ça fait partie aussi du truc original. Oui, jouer jusqu'à 6 et même en ligne, quoi. Oui, non, mais c'est sur PlayStation. C'est vrai. Tu peux jouer qu'à 4 sur PlayStation. Voilà. Ce qui est peut-être le trip rétro, en fait. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vraiment un jeu qui transpire l'amour, et c'est vrai que c'est pas le remake exact d'un jeu qui a existé, mais c'est la cristallisation de tout ce dont on se souvient
des jeux vidéo Tortue Ninja des années 90. Et pour moi, c'est un magnifique hommage. Ouais, je rebondis un petit peu sur tout ce que tu dis, puisque sans spoiler, il est dans c'est ma brochette fromage de cette année. Ah. Voilà, je l'ai classé là, moi. Et quand tu dis il, c'est Tribute Games, donc un studio canadien-québécois. Mmh. Et Dotemu, qui a bossé sur ce. Après Street of Rage 4, c'était en 2020. Et ils prouvent qu'ils ont de la ressource dans le beat'em up. Ils ont repris l'esprit de l'époque. Je dois avouer, forcément, moi je suis toujours dans le comparatif et le beat'em up c'est un petit peu mon dada. Donc je... tu m'étonnes. Ouais, donc j'avoue qu'après Streets of Rage 4 qui jouit d'une profondeur insoupçonnée, oui. Je m'y retrouve un petit peu moins en termes d'apprentissage et de durée de vie. Ouais. Mais par contre, je me dis qu'en matière d'introduction, en matière de party game, le côté on va se réunir, on va se taper sur la gueule, il est quand même beaucoup moins difficile d'accès, simplement. Bien sûr. Ah oui. Et donc tu peux simplement avec des plus jeunes, avec des gens un peu moins habitués, carrément le parcourir de long en large et ça marche très très bien. Et les super attaques que tu peux cumuler comme ça, ça fait énormément de dégâts. Bref, le jeu est équilibré et pensé vraiment comme une initiation à ce genre-là, peut-être pour amener vers d'autres jeux. C'est presque un party game, clairement. Quand tu joues à plusieurs, sachant néanmoins que si tu joues en solo, l'équilibrage fait que le jeu est quand même assez difficile, assez vite. Ouais. Si tu n'uses et n'abuses pas de la provocation. Et c'est bien, la provoque qui fait. La provoque fait tout. Elle est même un petit peu game breaking, je pense. Elle mais est un peu craquée, ouais. Elle est comme un peu craquée. Jeunes. Comme disent les jeunes. Et bien, du coup, comme j'ai pris la parole, c'est toi, Daniel, qui va enchaîner sur le premier des jeux, des deux jeux Square Enix qu'on a retenu en meilleur remake remaster. Il y en avait plein. Il y avait Crisis Core Remaster qui est sorti un petit peu tard. Ouais, non, c'est déjà appartenu celui-là. Et toi, t'as choisi Final Fantasy VI Pixel Remaster, ouais. Et je crois savoir pourquoi. Bah parce qu'il est extraordinaire. Parce que d'abord, c'est le sommet atteint par cette saga, en fait, parce que. C'est la forme ultime de ce qu'on pouvait faire en termes de beauté remakée de la 2D, mais en plus il y a beaucoup de 3D en fait si tu regardes dans FF6, quoi, y a du mode 7, quoi. Et bah c'est vraiment une magic touch. Les deux seules choses que regrettent les gens, et j'espère qu'ils vont, gageons que, les changer dans la version Switch et PS4 qui sort en mois de mai. Que t'as réussi après quoi ou pas en version standard? Moi je suis passé après. Ah oui, donc vous vouliez la version standard, je suis dégoûté. Ah oui, mais tu parles en diffusé, sinon tu seras en démat. Oui, en démat, oui, mais bon. Oui, mais FF6, t'as envie de l'avoir en cartouche. Oui, ça, je vois les investisseurs. Ah, oui. Mais, non, même pas. Non, mais le truc, c'est que y a pas le staff qui apparaît au-dessus des personnages, et ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils le remettront par respect pour les gens qui ont travaillé dessus. Et Dozio, c'est la typo. Vraiment, la typo, la fonte du jeu est dégueulasse. Abominable. Et il y a des gens qui arrivent à craquer tout ça. Moi, j'arrive pas à trop craquer mes jeux. Je préfère rester dans le jeu normal. Voilà, on la voit, hein, la police qui apparaît à l'écran. C'est vraiment craquant. C'est la police de tous les Pixel Remaster qui sont sortis uniquement sur PC à l'heure qu'il est. Et par contre, Music Remaster. Alors, les Music Remaster, faut que je vous dise, la musique d'FF4 Remaster, elles me font exploser mon cœur. Elles sont extraordinaires. Celles du 5, elles sont super. Mais par contre, les meilleures musiques du 5 sont un peu remasterisées, un peu à genre les musiques. Ils ont pas tout remasterisé. Les musiques qui me sont chères, elles sont pas ouf, quoi. Elles ont pas été remixées ouf. Et par contre, dans le 6, non seulement c'est ouf, mais en plus l'opéra est en 6 langues. Ils ont mis la scène de l'opéra. Ils ont mis en russe. Enfin chanté. Non, il y a pas russe. Ah, il y a pas le russe. Pas russe. Bon, c'est moins bien. Mais en tout cas, il y a 6 langues, dont le français. Donc ils ont une chanteuse et tout. Ça nous chante. Et honnêtement, il y a des jeux. J'en appelle à si Square Enix ou des gens qui ont du pouvoir, je veux dire, c'est le moment. Quel âge aura Parasitev bientôt? C'est le moment de changer l'intro de Parasitev. Ouais. Parce que faut le savoir, Parasitev, l'intro, c'est du piano qui fait. C'est un peu dégueulasse. Donc, est-ce qu'on a envie de rejouer à Parasitev? Oui, moi j'adore. Oh oui, tout le cirque qu'on a fait lors de la simulation passée. Mais sur Silent Hill, tous les jeux, si les gens veulent rejouer à Silent Hill, ils veulent jouer à Parasitev. Il y a quand même une différence entre Silent Hill et Parasitev. Mais moi je suis prêt pour un Parasitev 4 en multi. Ouais. Genre un RPG en multijoueur, ça serait super. Mais bon. On ne présente pas évidemment Final Fantasy VI, qui est l'un des apogées du JRPG, sorti en 94. Voilà. On n'a jamais traduit en français pendant longtemps, jusqu'à la sortie de la version PlayStation. Et on en reparlera quand, au mois de mai. J'ai bien. Au mois de mai, si on est là, si le public nous suit, bien sûr. Si on est là, on en reparlera en mai quand il sortira. Ah bah il est bon Hubert, hein. Franchement, voilà, Hubert, génial. C'est... Il prononce le mot Patreon. Patreon. Ah c'est ça, il a un bot, tu crois? Il y a bonbon et Patreon qui... Bah, je vais reprendre ta thématique sur la musique. D'accord. Parce que c'est ce qui m'a emporté, c'est ce qui a fini de me convaincre que Live Alive n'était pas l'espèce de... Comment dire? De jeu hipster. De jeu hipster que j'ai longtemps cru qu'il incarnait.
C'est-à-dire que Live Alive, j'ai essayé de le lancer 3 fois au bas mot. Mmh. Que ce soit en émulation, parce que oui, à l'époque, il n'était pas forcément ni traduit ni disponible. Que ce soit quand il est ressorti. Où est-ce qu'il était ressorti ? Sur PS1 ou PSP ? Ah, je sais plus. Non, non. Ben non, il est jamais ressorti au final sur console. Non, je crois qu'il a, non, non, c'était uniquement non. Ah non, mais je comprends pas. Peut-être la Saga, console Wii. La console virtuelle, voilà. Console virtuelle. Je m'étais dit, allez, Live Alive, tout le monde en parle. Il faut que je le fasse. Je l'ai racheté. Je l'ai red quit 15 minutes après. Et là, c'est par le biais de Pierre Mogin qui dit que je salue, qui a insisté, qui m'a dit mais non, c'est vachement bien et tout. Tu passes à côté d'un truc. Il m'a dit tu le prends pas par le bon bout parce que Live Alive c'est un jeu omnibus. Faut prendre les bons persos. T'as 7 scénarios au départ avec un 8e qui se débloque. Faut pas prendre la SF, ça c'est certain. Il faut prendre un scénario qui te donne un petit peu l'avant-goût de ce que va être l'aventure Live Alive, ce côté aventure multi-époque, multi-héros. Et donc, j'ai commencé par le Far West, un scénario qui se boucle aller en une heure et demie, qui a un gameplay assez simple, finalement. Tu as un gang qui vient t'envahir, tu poses des pièges, et quand le gang arrive, plus tu as de pièces posées, et plus ils prennent cher, et donc moins tu galères à battre le boss. Et à ce moment-là, a retenti, après une heure et demie, le remix, là aussi, d'une chanson dont on m'avait toujours dit le plus grand bien, mais qui, prise hors du jeu, n'a pas la même portée, qui s'appelle Megalomania, qui est l'un des thèmes les plus connus jamais composés par Yoko Shimomura, évidemment. Et voilà, quand tu l'as comme ça dans ton OST, tu te dis, bon, c'est pas mal. Mais quand elle résonne dans le thème de boss, à la fin du scénario et à la fin de chaque scénario, ça, c'est important, tu te dis, là, ça blast. Là, ça y est, tous les éléments viennent se mettre en place. Il y a les frissons, il y a les poils. Dieu sait s'il en a. Si les poils se hérissent, là, je deviens un hérisson, finalement. Shadow. Et là, tu te dis, putain, ça y est, ça clique. Ah, faut pas dire de gros, pas lui, putain. Ah, pardon. Ouais. Punaise. Punaise. En plus, je le dis. Lutin, ça clique. Et ça y est, Live Alive devient un jeu assez incroyable, où tous les éléments se mettent en place, où le 8e scénario fait sens, fait résonance, et je tiens à dire quand même, c'est important, comme je suis un homme de système, que le système de combat sur la grille était quand même plutôt malin, plutôt bien géré, et tout ça avec les forces faiblesses, bon c'est un petit peu à l'ancienne, mais ça fonctionne très bien, et c'est pour ça que Live Alive, contre toute attente, même contre Tactics Ogre, Reborn, ou tous ces jeux-là, est devenu meilleur remake remaster, alors que franchement, au début de l'année, quand on m'a dit Live Alive sort, je dis Osef, voilà. Et finalement, pas du tout. Donc voilà, pour ces 3 jeux, on les rappelle, on les récapitule. TMNT Shredder's Revenge pour Greg, Live Alive et Final Fantasy VI Pixel Remaster. On va passer, mon cher Hubert, au retour du PowerPoint magique qui slide dans tous les sens comme le roi Enoch. Attention. On passe à la meilleure brochette fromage. Alors j'en ai déjà spoilé la mienne, hein, oui. Forcément, comme ça, bon, ça nous fait gagner du temps. Tu le fais. Attention, on va les découvrir sous vos yeux. Et bah, la meilleure brochette. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Le suspect habituel. Mais j'ai l'impression qu'il y a un twist. Bon, pour Daniel, c'est si fou. Pour moi, c'est TMNT Shredder's Revenge. Et pour toi, Greg, c'est encore et toujours Fortnite, mais il se passe un truc. Il y a un twist. C'est un Fortnite. Twist. Alors, c'est pas Fortnite en lui-même. C'est les nouvelles skins de Fortnite. Puisque cette année, donc, Fortnite a accueilli Dragon Ball. Et actuellement, ils accueillent My Hero Academia. Oh ! Donc, oui, c'est cette saison-là, c'est My Hero Academia. Donc, ça reste toujours extraordinaire d'avoir des personnages d'animation japonaise, même si, évidemment, une fois que Naruto a ouvert la voie, je pense qu'ils ont trouvé un petit peu le... Comment dire, la manière de convaincre les Japonais. Pas juste mais, envoyer un fax. Quoi. pour moi, ça symbolise énormément la brochette fromage. Alors, je suis déçu là, parce qu'on voit que Naruto. Moi, je voulais vraiment qu'on voit les personnages de My Hero Academia. On mettra en post-prod. Voilà. ça marche plus, ça, malheureusement. Ça marche plus, ouais. Mais c'est très intéressant, parce que c'était vraiment brochette fromage. Enfin, ça marche plus pour ce soir, ça marche pas pour Sumimasen Turbo. Attention, on va voir si c'est au taquet. Pour le replay. Donc, non, c'est vraiment... c'est vraiment ce que... Comment dire, ce que symbolise la brochette fromage pour moi, parce que ce sont des personnages qui ont été réalisés. Dragon Ball, c'est pareil, ces personnages qui ont été réalisés à partir d'assets officiels, c'est-à-dire qu'il y a un document officiel et donc les graphistes de les graphistes de Epic vont les modéliser du mieux qu'ils peuvent, mais en gardant malgré tout la physique et les proportions. Des personnages de Fortnite. Alors même si évidemment t'as des personnages plus ou moins grands, plus ou moins machin, mais tu peux pas faire des personnages trop petits parce que sinon en termes de hitbox t'es avantagé, et puis Fortnite reste un jeu ultra compétitif
dans lequel justement on te promet que les skins ne sont que des éléments cosmétiques et que ça ne te donne aucun avantage dans le jeu. Donc dès que tu découvres un avantage dans le jeu, les gens l'exploitent. C'est-à-dire il y avait une émote. Désolé de t'interrompre poliment Greg, mais la télé est en train de faire des siennes, elle risque de s'éteindre parce que voilà, c'est le principe aussi du direct. Donc je ne sais pas si quelqu'un a la télécommande magique. Mais n'hésitez pas, ça nous fera un petit retour. Daniel va appuyer sur le bouton, voilà, le bouton du volume. Ah bah non, c'est bon. Merci, voilà, le bouton du volume. Sinon le bouton au secours. 20 secondes. 20 secondes. Ah là, mais ça c'est le réhappening. 10 9. Ah là là, 15 secondes, 9. Vite. La clepside. c'est une télé sans bouton, sans télécommande. Bah voilà, c'est pas grave, je peux continuer sans image. On enchaînera. Donc je disais, Fortnite, ça reste un jeu ultra compétitif. Donc tous les trucs que tu achètes ne doivent être que cosmétiques et ne doivent en aucun cas t'apporter un avantage dans le jeu. Là, par exemple, Fortnite, il y a beaucoup de danses et chaque fois que les gens découvrent une danse qui te permet d'esquiver des balles ou quoi, c'est très vite patché. Et c'était intéressant pour moi parce que de parler de brochettes fromage parce que les skins Fortnite de My Hero Academia, elles sont très particulières parce que c'est des enfants et ils bougent comme... Enfin, c'est bizarre. Il y a un vrai côté cosplayer parce qu'ils ont, des têtes japonisantes, mais pas... Enfin, c'est très étrange comme trip. Ça fait un peu... C'est la Uncanny Valley des mangas. Mmh. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, si on voit les images là, pendant que je parle, je pense que les gens vont comprendre de quoi je parle. Mais... Et donc, pour moi, c'était vraiment la quintessence du brochet de fromage. Très bien, mon cher Greg, pendant que la télécommande récalcitrante est en train... Voilà, ça, on avait pensé à beaucoup de choses. Beaucoup mais de choses, mais les télécommandes de retour. bref, est-ce que Yamato est dans le coin? Est-ce qu'il nous suit? Aïe, je crois que... Non, c'est pas la bonne. Ah, oh oui, c'est la bonne. Est-ce que tu peux me ramener mon chargeur? Je pense que notre on ne dit pas notre amie commune nous a sauvé la vie. Ouais. Et merci Greg pour ce meublage sur Fortnite. J'allais ajouter toi qui es un maître S licensing et qui a conscience de tout. Les considérations qu'il faut prendre quand tu travailles sur la fusion de deux univers comme ça, ça doit te paraître une forme de petit miracle. Alors comme je te disais au début de l'intervention, moins depuis Naruto. Le véritable choc, ça a été quand Naruto a débarqué dans Fortnite, parce que je veux voir le japonais qui a dit oui, Naruto et Sasuke, ils vont tirer avec un fusil de sniper, parce que c'est impensable. Là pareil avec Dragon Ball, Vegeta il se prenait des flèches dans le cul, enfin tu vois, en termes de cohérence d'univers, c'est pas possible de valider ça. Et en fait, si la magie Fortnite fait que aujourd'hui, tu peux complètement briser les univers et les bibles de personnages qu'on pensait intouchables. Et voilà, c'était juste très, c'est toujours très impressionnant. Ça l'est de moins en moins, mais c'est toujours très impressionnant. Et tu sais quoi, maintenant qu'on est sur YouTube, moi, ça me permet de rajouter le mot Fortnite dans les mots-clés. Donc, c'est parfait. Ah ben voilà. Merci à toi. Daniel, toi, tu voulais nous parler de Sifu. Ouais, alors attention, brochette fromage n'est pas du tout un terme discriminatoire pour moi. Ça veut dire que c'est un truc qui est fait par les Occidentaux à la manière de l'Asie. Et on en a eu des très très bons. Je veux dire, les années passées, on a eu Fury, qui est un des jeux qui a le plus compté pour moi dans ces dernières années, qui est vraiment une réappropriation du style. Mais avec jeu français déjà. Jeu français, mais avec une esthétique japonaise, avec un chara-designer japonais. Et là, Fury, on est complètement là-dedans. C'est vraiment... C'est fou. C'est une vraie proposition d'abord de gameplay que j'ai adoré, puisque l'idée du gameplay, c'est si tu meurs, tu deviens plus âgé, tu deviens plus fort, puisque tu as de l'expérience, mais aussi ton espérance de vie, elle diminue. Et je trouve que l'idée, conceptuellement, je trouve que c'est vraiment super. Et c'est génial que, en fait, ta vie, si tu joues bien, en fait, tu restes jeune. C'est quelle idée de gameplay, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait un autre jeu qui pousse un peu la réflexion là-dessus. Et en même temps, en plus, quand je l'ai découvert, il n'y avait que la version anglaise. Je crois que depuis, ils ont dû mettre soit cantonais, soit d'autres langues asiatiques. Mais du coup, ça donnait un petit côté Show Bros pour moi, un peu cassette vidéo. En plus, le méchant, tu vois, qui ressemble vraiment à des clichés de films de Hong Kong. Hein, c'est ça l'inspiration. Ouais. De ce jeu. En plus, maintenant, il est dispo partout, donc on peut y jouer même sur Switch, je crois.
C'est vraiment un super jeu. J'ai vraiment adoré. Tu tapes les points, tu trappes les points. Ouais, le feeling, tu le trouves bon. Alors, et le timing. Adoré. Et le timing, pas de souci pour le timing. Parce non, que c'est quand non, même c'est quelque chose qui a divisé. De c'est vraiment un jeu musical pour moi. Donc il faut avoir des bons réflexes, il faut avoir la notion du timing. Et en plus, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment eu du mal, parce qu'à l'époque j'y ai joué en version donc vanilla, donc il y avait pas de niveau. Je sais pas s'ils ont fait les niveaux difficiles, mais en tout cas il était. Il y a une réputation d'avoir été facilité le jeu. Là. J'ai complètement épousé le truc et genre j'arrivais au niveau 3 et je me faisais lapider et puis au bout d'un moment genre je passe le niveau 3 et là il y a eu un cap, j'ai fait 4, 5, 6, j'ai fini le jeu d'une traite quoi. J'ai entendu dire également que le niveau 2 était peut-être un petit peu le comment dire, le niveau le juge de paix quoi de, ouais. Ah non non ou pas niveau 2 tout. Ou niveau 3 non ouais niveau 3 un peu plus okay. Mais niveau 2 était un peu chaudard, mais en fait bah, si tu finis bien le niveau 1 bah, tu es bien entamé le niveau 2 et etc. Le début de ta run conditionne bah, comme n'importe alors, quel jeu hein, honnêtement si tu veux pro gamer il faut vraiment réussir très très bien le niveau 1 parce que t'as un truc qui te facilite les combos et si tu passes les deux en combo, genre si tu fais le premier niveau sans te faire toucher tu peux acheter ce truc et ça te facilite beaucoup les combos. C'est pas ce que j'ai fait mais c'est ce que j'aurais voulu faire si je voulais platiner le jeu. Mais tu sais que là on enregistre chez Gozulting qu'on remercie au passage parce que ouais. Je sais pas si on l'a fait depuis le début de ce ah non, second non, il stream faut le dire voilà dans ces locaux de Gozulting et eh bien ils sont juste à côté de Slow Clap. Ah je savais même pas mais tu sais quoi genre on me dit quand les gens me disent ah c'est un jeu français, moi je suis assez pas courant de ce genre de choses et les gens me disent ah mais c'est un jeu français, je fais ah mais c'est intéressant, genre je suis presque surpris que tu vois les jeux qui ont compté pour moi comme Dead Cells genre on me dit ah c'est français en fait, mais c'est super en fait. C'est vraiment cool qu'il y ait des gens et tu sens que ceux qui ont fait Fury aussi, tu sens que c'est des gens qui aiment les jeux qu'on aime. C'est aussi peut-être pour ça qu'on nous regarde, c'est que on a aussi ce truc, c'est qu'on considère pas que le jeu japonais c'est que des triple A, mais c'est aussi des double A très très bien pensés, c'est des jeux avec des idées et c'est ça qui nous intéresse dans les jeux vidéo quoi. Complètement. Allez, on va passer. J'ai adoré Fury, meilleur jeu brochette fromage de l'année. On va passer à la suite. La suite, je sais même plus ce que c'est parce que j'ai oublié les catégories. Hein. Ah, on va la retrouver. Remettons pas. Oui, bah là, hop, regarde, voilà, hop, ça y est. Ah, ça y est, c'est la catégorie qui divise, la catégorie déception de l'année. Parce que oui, là, on dit du bien de beaucoup de jeux, mais il y a aussi des jeux qui nous ont déçus, sur lesquels on fondait pas mal d'attentes. Soit qu'ils. De jeux japonais. Hein, jeux japonais. Parce qu'il y en a eu en occidental. Oh, bah, il y en a masse. En occidental, il y en a eu. On sait bien. Et on va voir tout de suite vos, non pas lauréats, mais les jeux qui vous ont vraiment saoulé assez vite. Attention, broum! Ah, voilà, ah bah, une vraie triplette, ma foi, une vraie triplette Square Enix. Je sais pas, c'était pas concerté, hein, parce mais que. C'est pas fait... concerté, mais en même temps, ils en sortent tellement. Si tu parles de trois jeux que Square Enix, ça veut dire que tu parles que de 1% de leur production dans l'année. C'est vrai que cette année, ils ont un petit peu lâché les chevaux. Valkyrie Elysium, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition et Babylon's Fall pour Daniel. Bah, comme j'ai pas beaucoup parlé, je vais parler de Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition. Alors, je vais pas dire que c'est une déception. Au niveau du jeu, parce que le jeu est resté dans son jus. Voilà. Le truc, c'est que c'est un peu le problème aussi. Alors, tu parles de Chrono Cross ou juste de Radical Dreamers? Non, bah, je parle de Chrono Cross. Bah, c'était celui que j'attendais, Radical Dreamers. Ça reste un jeu textuel, même s'il est bien refait. Il y avait beaucoup moins de travail à effectuer. Il y avait beaucoup moins d'espoir aussi suscité derrière. Là, le truc, c'est que bah, Chrono Cross, ça reste l'un des jeux les plus adulés de son époque, l'un des JRPG de PS1 les plus révérés. Et le problème, c'est que bah, on s'est aperçu que avec des assets délicats à retrouver, parce qu'il y a eu des billets de blog hein, qui ont révélé pourquoi le remaster a pris autant de temps que ça. C'est un projet qui a été à l'étude depuis 4 ou 5 ans. Parce qu'ils sont pas très bons pour regarder. Déjà parce qu'ils sont pas très bons pour regarder leurs archives, mais aussi parce que la PS1, pour réussir à la remettre au goût du jour et dans son jus comme ça, bah, ça demande énormément de tours de passe-passe, visiblement au moins du côté de chez Square Enix. Résultat, ça donne un jeu qui rame, un jeu dont le lissage est assez dégueu. Même les character design qui ont été revisités par l'illustrateur original, donc il y a Nobuteru Yuki, de Lodos, d'Escaflon, de plein d'autres œuvres de Japanime, bah, je le trouve pas si extraordinaire que ça. Je trouve qu'il le dénote un petit peu par rapport à la version déjà, d'origine. C'était un character design très spécial. Hein. Sur ce jeu-là en particulier, il le sait. Hein, que c'est un projet très particulier, il devait caradisonner 40 personnages, donc 40 persos, t'auras pas 40 mecs avec des personnages féminins et masculins avec du super charisme, hein. Il y aura aussi des trucs un peu loupés. Et puis tu t'aperçois malgré tout que ça reste un jeu qui est très très confiné en fait, Chrono Cross. C'est assez bizarre, mais tu passes tout le temps par les mêmes endroits, t'as tout le temps beaucoup de limitations, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de personnages qui disent que tu peux pas y aller, et autant en 99-2000, quand je l'ai fait en US à l'époque, bah, je m'en foutais parce que j'étais vraiment dans la...
J'étais hypnotisé par la beauté, par les sons, par les mélodies, par le générique qui te saisit en plus là à nouveau d'entrée de jeu. Autant aujourd'hui, bah, faut admettre que ça a pris un petit coup de vieux. Bon, faut dire que le framerate n'aide pas avec le système de combat. Bah, même quand tu l'accélères, bon, il est un peu rustique, c'est un peu mou. Quand tu l'accélères, ça passe, mais du coup, tu accélères tout le reste. Bref, je m'attendais à reprendre le choc émotionnel de l'époque. Et bah, dans ces conditions-là, c'était difficile à retrouver. Greg ? Oui. Valkyrie Elysium ? Oui, je l'ai mis en déception parce que c'était un choix par défaut. C'est-à-dire, je ne pense pas que le jeu soit mauvais, c'est juste qu'il n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais et qu'il est un peu trop basique par rapport à ce que la licence méritait. Donc c'est vraiment un choix par défaut. C'est-à-dire que cette année, je n'ai pas été déçu par grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu que j'ai lancé en me disant « ça va être mortel » et puis en fait « ah, mais c'est nul ». Donc j'ai choisi celui-ci parce que ça me donnait une occasion d'en reparler. C'est un jeu que j'aime bien, mais qui, je pense, aurait pu être beaucoup mieux. Et ça me permettait aussi de dire qu'au final, à part le premier Valkyrie, enfin, ils n'ont jamais vraiment réussi à retrouver la magie du premier, qui avait un cocktail absolument extraordinaire entre action, gestion de ses troupes, de ses attaques, et scénario incroyablement triste et mélancolique. Et c'est un cocktail qu'ils ont réessayé plusieurs fois, et je pense qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui se frotte à un Valkyrie, ils n'arrivent pas à refaire le cocktail. Ils essaient de trouver, ils jettent leur idée à chaque fois, et c'est à chaque fois des trucs qui passent un peu à côté. Je sais que toi, tu l'as squatté, Pouillot. Bah oui, il aurait pu finir dans mon plaisir coupable. C'est pas lui qui a gagné qui gagnera le titre tout à l'heure. Oui, parce que c'est ce que je dis, il est assez hypnotique quand tu aimes cette vague de jeux de beat'em up japonais où tout est quand même assez précis, où les slashes te procurent des sensations, et puis l'intervention des AI derrière. Et en plus, c'est un jeu qui monte un peu en puissance, au moins au niveau de toutes les capacités que tu vas pouvoir engranger, parce qu'au départ, tu es quand même un petit peu squelettique. Il te fait un niveau prologue, qui était celui de la démo, où tu as un peu de monde, et après, il te retire tout, c'est Metroid, quoi. Donc, le temps de retrouver un arsenal de personnages secondaires, enfin de strikers et de sortilèges efficaces... Qui te donne des capacités supplémentaires. C'est un peu long. Le vrai problème du jeu, je pense, au-delà du fait qu'il est assez désincarné, parce que bah, c'est le scénario qui veut ça, c'est le Ragnarok, il n'y a plus personne, et donc tu parles à des petites flamèches au bord de l'écran. Ça c'est une vraie erreur, parce qu'il n'y a aucune implication émotionnelle. Les mecs te racontent des trucs super tristes, bon, t'en as rien à foutre, quoi. tu parles à une flamme bleue, ça aurait pu être un placeholder, quoi, donc tu t'en fous. Ça c'est un petit peu dommage, mais ça va avec le manque de moyens caractéristiques du jeu, notamment le fait que tu traverses sempiternellement les mêmes décors. Il va changer le chapitre, il va dire « Ah là, t'es dans une autre région du monde, attention, ça n'a plus rien à voir. » Et tu te retrouves dans le même village marron, avec les mêmes effets de... Là, on voit les espèces de petits qui s'enlient. C'est un jeu Unreal, quoi. C'est ça. C'est un jeu Unreal qui n'a pas, hélas, ni les moyens, ni les gens suffisants pour l'étoffer. Et puis, c'est une question aussi d'arbitrage budgétaire. Tu vois, Square Enix, ils savaient très bien que... Puis, un autre truc, c'est qu'ils développent tellement de jeux en parallèle qui ont un peu la même mécanique. Harvestella ouais. est sorti genre dans le même mouchoir de poche ou genre j'ai beaucoup de l'amener sur le j'ai beaucoup d'échos sur pas, hein. j'ai Star beaucoup d'échos sur Harvestella je veux parler d'Harvestella avant j'ai beaucoup d'échos sur Harvestella positifs que je n'ai pas eu le temps de jouer ou genre tu penses à Babylon's Fall par exemple dans la catégorie des déceptions Babylon's Fall je me sens personnellement insulté en fait parce que tu sais quoi je me souviens quand on se réunissait à une époque pour réaliser des podcasts autour du jeu vidéo comme nous faisons aujourd'hui. Eh bien, j'avais dit, Babylon's Fall, on avait fait un live, toi et moi, où t'étais pas là. Mais ils venaient d'annoncer Babylon's Fall, Platinum, nanana, genre truc. Ah genre, oui, c'était à l'E3 2017 ou 2018 ouais, où on s'était ambiancé comme dit, jamais. Ah ouais, et moi j'ai dit, ouais, Platinum, nanana, et tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure des infos, tu dis, c'est un jeu service qui n'intéresse personne. Qui est très laid et à l'époque je travaillais pour déjà la bêta tu savais que c'était morné en fait je travaillais pour un média où mon rédac chef m'a fait est-ce que tu veux tester Babylon's Fall et le mec voulait t'emmener à l'abattoir je sais pas qui c'est mais il se dénonce mais je pense qu'il met des pulls Goemon et moi je lui ai fait non ce n'est pas la peine c'est vraiment pas la peine et honnêtement c'était vraiment
j'ai l'impression de frapper quelqu'un à terre, tu vois, quand je vois ça. C'est vraiment, le jeu est vraiment pourri pour y avoir joué. Hein. Ce qui marche pas, oui, c'est quoi c'est le... platiné, c'est un jeu pourri que t'as platiné. Non, 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 pas du tout. Ce qui marche pas, c'est le côté online, c'est le. Non, les... C'est vrai. Ah, ah non, tu parles d'un autre jeu. Non, mais oui, mais tu l'as pas. T'as pas fait le DLC celui-là. Non, non, non. Tu penses à mon plaisir coupable. Suspense. Mais qu'est-ce qui marchait pas alors? C'est tout? Tout marchait? Rien marchait? Il n'y a rien marché. Et surtout, à force de faire plein de jeux comme ça, au bout d'un moment, il n'y a pas d'âme. C'est pour moi le problème, c'est vraiment qu'il n'y avait pas d'âme. Genre, s'il y avait au moins un truc. Hein. Mais là, c'est genre. Oh, c'était pas bien. C'était vraiment une très mauvaise expérience. Mais si vous voulez y jouer, c'est les deux derniers mois. Hein. Après, c'est vrai qu'après, c'est les fermetures. Et il y a certains vendeurs, ils vous filent le Scud à l'œil parce que. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire, peut-être. Hein. C'est peut-être ça aurait sauvé le jeu. Ça aurait dû être le Fortnite de Square Enix. On aurait peut-être retrouvé Naruto. Peut-être qu'ils auraient fait... Non, un héros pété, tu vois. Peut-être qu'ils auraient fait plus d'argent là-dessus que sur Avengers, tu vois. Ah, pff, ouais. Là, pour citer un autre... C'est vrai. Eh, faut dire un truc, c'est que c'est l'éditeur aussi qui nous a fait plusieurs des meilleurs jeux de l'année. Hein. On parle des plus mauvais, là, en l'occurrence. Ouais, on est influenceurs maintenant, faut dire du bien des jeux. Et justement, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Et la suite, c'est le plaisir coupable. Mmh. Et oui, le plaisir coupable, une catégorie qu'on apprécie ici. Et le plaisir coupable, là, on va tresser des lauriers aux trois jeux qui vont apparaître sous vos yeux ébahis après ce petit slide que j'ai programmé à la mano ce matin. Attention à quoi ? Quoi ? Aucun Soumimasen, lis-je. Eh ben oui, Soumimasen pour moi, parce que je n'ai aucun plaisir coupable. C'est, j'ai que du plaisir, mais pas coupable. J'ai été content de jouer à tout ce que... Enfin, tu vois, il n'y a rien de honteux dans ce à quoi j'ai joué cette année. Je vois la petite nuance. Voilà. Je vois la petite nuance. Donc, tu as apprécié tous les jeux auxquels tu as apprécié de jouer. Voilà, je suis désolé d'avoir joué à... Enfin, il n'y a rien dont j'ai été désolé de jouer, quoi. Je suis désolé. À chaque fois, tu étais dans le kiff. Tu t'es dit... C'est ça, exactement. Ouais, c'est vachement bien. Même Valkyria, je l'ai pas suffisamment Valkyrie, je l'ai pas suffisamment squatté pour que ce soit un plaisir coupable en fait. Je pense que si j'avais plus de temps, j'aurais pu, mais non. Voilà. On va enfin avoir une confrontation avec Daniel. Pourquoi ce soir notre premier Soumimasen clash. Bah tu vois, on disait faut absolument pas prononcer le mot interdit et c'est moi qui l'ai fait. Bah, on le prononcera un mot ou l'autre parce que ouais, c'est un mot quand même, un nom commun. Un nom commun qui définit un étranger. Un étranger. Bref, tout ça pour dire. Alors ça va finir dans le channel clip vidéo peut-être. Bon, ah oui. Du Discord, parce qu'il y a un Discord autour de Soumimasen Turbo. J'espère qu'il fonctionne. Hein. Là, alors je suis pas allé vérifier. On m'a dit que ça fonctionnait, mais je n'ai pas. Voilà, parfait Hubert. Je touche du bois. Donc, le Soumimasen Clash, désormais, le Turbo Clash, Soumimasen Clash. Sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, qui est ton plaisir coupable. Et qui n'est pas passé loin d'être le jeu de l'année, hein, faut le j'ai dire. J'ai beau y réfléchir, je ne comprends absolument à aucun moment c'est possible. Ah, moi j'adore. Surtout avec tous les jeux auxquels tu joues. Ce jeu m'a illuminé, c'est vraiment, j'ai hypnotisé. Je crois que j'y ai passé, tu vois, j'ai passé plus de 100 heures au moins sur Elden Ring. J'ai passé, d'après ce que me disait le wraparound, il me disait que j'ai passé au moins 50 heures dessus, en comptant le premier DLC, puisque le deuxième DLC n'est accessible que si tu finis le premier. Mais là, on est dans le endgame de endgame de chez endgame. C'est à la fois, je comprends tous les défauts, et je te dis, on en a parlé souvent. Après, c'est un plaisir coupable, hein, c'est sûr. On a parlé, c'est placeholder le jeu, quoi. Les personnages sont dégueulasses. Les dialogues sont à pisser de rire. T'as des stats partout qui servent à rien. Les dialogues sont crades. Mais il y a un truc qui fait dans la mécanique de jeu qui m'a lutin d'hypnotisé. C'est les finishes. C'est super. C'est vrai. Quand il bute le mec, et il lui perce son truc, et il chope le cristal. Alors la fin est à la fois géniale et risible. La fin du DLC, elle est à pisser de rire aussi. C'est vraiment un jeu avec lequel... Il y a un côté nanardeux, évidemment, parce que les nanars, c'est des mauvais films avec lesquels tu ris, avec lesquels tu prends plaisir. Et je trouve que c'est exactement ce qui définit Stranger of Paradise. Honnêtement, je conseille aux gens d'essayer, parce que vraiment, la boucle de gameplay, elle est vraiment assez rigolote. Je suis d'accord avec toi, le level design, il est cracra. En plus, souvent, le jeu, les niveaux alternatifs, ils te demandent de faire les niveaux à c'est l'envers. C'est un jeu PS3, quoi. Mais c'est un très bon jeu PS3. Et la tête de oui je repense à tous mes délires de level design où vraiment tu sais pertinemment à quel moment tout va se passer, oui. À quel moment les ennemis vont être là, quel groupement d'ennemis tu vas avoir, tu sais qu'à droite il y a un coffre et qu'à gauche c'est la suite du niveau, à gauche la liane qui va te ramener à ton point de sauvegarde, tu sais vraiment, c'est le jeu, t'as même pas besoin d'y jouer. oui mais je ne peux pas t'expliquer, c'est vraiment très 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 fun à jouer.
les jobs, le système de job est super. Non, il sert à rien. Mais si, il est super. Tu peux maxer, il y a plein de stats à max. Mais oui, mais je comprends. Moi, que ce que j'apprécie dans le système de job. Tu parles à un job, j'ai fait 50 heures quand même. Moi, ce que j'apprécie dans le système de job, c'est que tu peux jouer mage blanc et envoyer les autres se faire péter, casser la gueule. Ouais. Et tu les heals. J'ai buté certains boss comme ça. Technique de lâche. Ah non, mais oui, mais. Non, mais justement, c'est rigolo parce que ça redonne un côté MMORPG que tu t'attendais absolument pas de ce jeu. Et c'est drôle de jouer comme ça, en fait. Non, mais vraiment, en plus, le endgame est assez mal branlé, mal foutu. Mal fini, et en même temps... Non, mais je pense vraiment aux potes de mes amis qui regardent. Aux enfants de mes amis qui regardent. Et du coup, oui, non, il est vraiment mal fichu, mais en même temps, il est adorable. C'est un jeu adorable dans son excès. Et alors... Tu sais quoi, moi je suis pas un client de Nomura-sri, comme on dit, machin, mais là, quand c'est fait avec tellement de candeur et tellement. Il y a une telle envie de plaire de ce jeu et en même temps qu'il n'y arrive c'est pas. Fumé. Tu sais, c'est franchement, comme, 10 minutes, t'as vu tout le jeu. C'est comme quelqu'un qui s'est ultra bien sapé, qui a passé des heures à saper. N'est-ce pas? Et tu vois le résultat et tu fais, dude, c'était pas la peine de se casser autant la tête. Et ben. Ce jeu, c'est un peu cette personne trop bien sapée. J'allais dire, le problème, c'est qu'en 10 minutes, le jeu, t'as joué, t'as tout compris et tu l'as vu pour les 40 heures restantes. Et les boss sont chouettes. Il y a du défi. J'allais dire exactement cet argument séché, mais le problème, c'est que tu allais pouvoir me le retourner sur mon plaisir coupable. Le côté, en 10 minutes, t'as tout vu et finalement, tu ne fais que répéter le même book pendant des heures. Parce que je dois bien avouer que Sonic Frontiers, là, pour le coup, a illuminé mon automne. Et c'est un plaisir coupable, et là encore, je reconnais les énormes défauts. Là, c'est même pas que le level design, tu le captes, c'est qu'il est littéralement soit inexistant, soit complètement random. C'est un de mes coquilles de l'année, hein, tu le sais. Et soit complètement génial aussi, parce que en fait, tout est tellement super bien calibré pour que tu restes dans le flow, que quelque part, tu te dis, putain, les mecs, ils ont quand même... T'as des plateformes dans le vide, tu te dis à quoi elles servent, mais une fois que t'as pris le premier tremplin qui t'y emmène, tu te dis, putain, en fait, les mecs, c'est des génies. T'as envie de voir la suite, quoi. Ils avaient placé ça au millimètre près. Ah tiens, j'aurais dû le mettre dans ma déception. Quoi? Quoi? Bah oui. Quoi? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été déçus par Nani. Le déni est total, parce que... L'onanisme. En fait, joué suite à vos recommandations et j'y ai vraiment joué suite à vos recommandations, c'est-à-dire je me suis dit waouh, ils sont tellement à fond dessus qu'il faut absolument que je l'essaye. Mais oui, t'ai vu jouer, j'ai vu ton gamertag s'allumer et j'ai trouvé la jouabilité complètement erratique, c'est-à-dire que pour un jeu de plateforme, je trouve que les sauts sont absolument pas précis. Et c'est un open world, c'est un monde ouvert où tu ne peux pas aller où tu veux. Donc ça, c'est extrêmement frustrant aussi. Et alors, j'ai passé un bon moment, hein, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas du tout aussi bien que ce que vous laissiez entendre. Et ça arrive, coup, ça. Et le truc, c'est que je ne peux pas être d'accord avec toi. Donc j'ai trouvé qu'il y a deux jeux qui coexistent, en fait. Il y a à la fois qui s'appelle le cyberespace, qui sont en fait des niveaux de Sonic Adventure ou des niveaux de Sonic 1 refaits en 3D. Et tu as cette exploration, et donc en fait, je trouve qu'il y en a trop. C'est-à-dire que Sonic, pour moi, ça doit être un jeu viscéral, ça doit être un jeu instinctif. Ah, mais justement, là, je trouve que c'est tellement viscéral quand tu es dans le monde. Alors, pas tout le temps. Mais non, mais tu commences le jeu, tu as envie d'être à fond dedans. Moi, j'arrive. Alors attention, il faut que tu prennes des clés, mais alors pour avoir les clés, il faut que tu aies des mécanismes. Et pour que tu aies des mécanismes, c'est un jeu rare de Nintendo 64. Il faut que tu aies des machins, et pour avoir les machins, il te faut les pierres, mais pour avoir les pierres, il faut aller là, mais pour aller là, il faut que tu aies... Enfin, c'est hyper compliqué. C'est le jeu des clés. C'est même pas instinctif. C'est-à-dire que pour avoir certaines choses, il faut que tu débloques d'autres choses, mais ça, enfin, pourquoi est-ce que les clés te débloquent des rouages de moteur? Enfin, c'est mal fichu. Ça n'a pas de sens, on est d'accord, mais c'est mon jeu Sonic préféré de ces 20 dernières années. Hein. Putain, déjà, ils ont réussi à rendre ils ont déjà réussi à rendre la navigation 3D de Sonic à peu près cohérente. Ben c'est ça, moi, que je leur reproche. C'est que... Ah ouais, t'imagines la gageure que c'est. Non, mais moi, c'est ça que je leur reproche. C'est qu'il est très inégal. C'est-à-dire que tu as des moments où tu vas vraiment être en plein kiff. Ouais, je trace en Écosse, c'est super chouette. Il y a des géants, je peux leur taper dessus, c'est génial, machin. Et puis, d'un seul coup, il y a une rampe qui est mal branlée, donc tu vas tomber dans l'eau. D'un seul coup, tu vas voir un tremplin, tu dis, ah, je vais sauter dessus. Et en fait,
soit le jeu est pas fini, soit bah, tu l'as pris à l'envers. Et c'est coup, musique en plus là, quand t'es dans le chrono espace là. T'es puni d'avoir pris un truc à l'envers, donc tu te retrouves dans l'eau. Et le pire, c'est que bah, tu meurs, ça sert à rien, puisque tu réapparais là où t'étais, t'as autant d'anneaux, t'as autant de... ça te fait juste perdre du temps. Je suis d'accord avec toi, donc, c'est... à 100%, et pourtant j'ai pris le prisme inverse. Moi j'ai kiffé les boss, j'ai kiffé le level up. Pour moi, c'est le meilleur jeu platinum de cette année. Parce que quand tu vois les boss, et tout d'un coup t'as un boss avec une épée gigantesque, et t'as Sonic qui lui fait un mawashi dans la gueule, il chope l'épée. Avec les combos et tout. Et il balance le boss contre la montagne. Mais c'est Raiden. Sonic, c'est le Raiden qu'on a plus. Sonic, c'est le. C'est le Raiden qu'on mérite. Est-ce que ça serait pas la revengeance de Sonic ? Peut-être. Franchement, j'ai adoré ce jeu de bout en bout. Et il a plein de défauts. Il a plein de. Mais il a une générosité de contenu. C'est le Mario Odyssey. Et alors, les chapitres, ils sont tellement inégaux en plus. C'est le Mario tellement Odyssey inégaux. De Sonic. T'as des chapitres qui servent à rien. C'est un. Et puis dans temps là où t'as tout. Enfin, c'est bizarre. Je comprends pas ce jeu. Il est incohérent. C'est un. Ça fait. C'est un parc d'attractions fait par un. Plein de gens qui sont pas tous d'accord pour ce qu'on peut faire. Je pense que t'as deux game designers qui sont regardés en chien de faïence. Mais aussi t'as la musique, parce que la musique. Mais oui, elle déchire. La musique est incroyable. Genre, c'est des moments de. Vraiment très très peut-être de Nier Automata. C'est un mélange de Nier Automata. Ah, n'exagérons pas quand même. De Nier, non, il a de raison. Oui, vrai, je me suis senti un peu dans Nier Automata. Nier Automata, Breath of the Wild. T'as ce côté un Ikaruga. T'as ce côté un petit peu monde post-apo où il n'y a plus que des bestioles et des. Enfin, je veux dire, c'est un monde qui est peuplé de mouettes et de cubes métalliques avec des yeux. Donc ça, il y a. Ça, c'est vrai qu'il y a des mouettes partout. Ouais. C'est un Elsewhere. Mais il y a un méchant, mais c'est juste un mob, quoi. Mais c'est un mob, c'est une espèce de boule qui t'enferme dans de la flotte. Et c'est génial parce que ça te remet dans l'idée que Sonic, bah, il n'a pas d'air à volonté. Et donc, et le temps que tu comprennes qu'il faut le tamponner. Il faut le tamponner et c'est génial. Enfin, il y a vraiment des idées de boss. Les boss sur lesquels tu marches, sur la longue traîne et tout, c'est vraiment, il y a plein d'idées. Et il y a vraiment un dynamisme très platinum là-dedans. Et donc, je disais, les musiques, ils sont à la fois très Nier Automata, très relax, très zen quand t'es là-dedans. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça fait pas Sonic. Et tout d'un coup, ça devient revengeance pour les boss avec du chant et tout ça. Et les moments avec Super Sonic qui sont vraiment cool et qui te donnent vraiment l'impression que tu joues avec Super Sonic. Non, vraiment, c'est à un moment, il y a un des middle boss, le truc, c'est de le balancer. Ensuite, au bout d'un moment, tu vas en l'air. Et le but, c'est d'arriver le plus vite possible sur sa carcasse pour le péter. Oh, c'est comme un poème. Et je conclurai, vous savez, messieurs, parce que vous me connaissez bien, j'ai une mémoire très tactile. J'ai un rapport très tactile au jeu. Et c'est vrai que je vois tous les défauts que tu as cités, Greg. Je suis, je suis d'accord à 98%. Et en même temps, je ne les ressens pas du tout. Mais... quand je repenserai à Sonic Frontiers lors des 10 ans de Tsumimasen Turbo, quand on sera à Bercy, j'aurai en moi tout ce feeling d'impact quand Sonic il fonce sur l'ennemi, lui blaste la gueule. Ah, mais ça c'est chouette. Moi, hein. Ça, si je pouvais me faire un boss rush où je me retape tous les boss, moi je le ferais. Et tous ces moments d'accroche qui sont complètement automatisés, qui sont la négation du gameplay émergent, mais qui te replace directement dans ton ride, et j'avoue que c'est ça qui m'a complètement hypnotisé. Mais on va pas faire. Ah, mais je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein. J'ai envie de le relancer, mais j'ai pas dit que c'était ma déception non plus. Je dis qu'il a failli être ma déception parce que, à cause de vous, j'en attendais trop. Bah là, on a à nouveau surhypé si les gens. Si tu joues. Et il est pas cher en plus actuellement. Ouais. Ah oui, ça c'est ça. Alors, il a été soldé très vite. Non, mais il y a une raison à ça. Ah bah oui. Ils en ont produit des milliards. Ils en ont produit des milliards, et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens comme Greg qui sont. Qui l'ont pris. Là, ils l'ont pris clairement. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que ça commence par le docteur Robotnik, qui parle, qui fait des. Enfin, c'est pas ça qu'on veut dans Sonic, quoi. C'est pas très, très. Pas très immersif. Non, mais ça me fait. Tu le compares à Mario Odyssey où c'est une cutscene de 10 secondes. Ouais, Mario Odyssey, t'évites à la préhistoire à mettre une casquette à un dinosaure. Hein, non, non, mais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as, justement. On touche pas à Mario Odyssey. Mario Odyssey, Mario Odyssey te raconte tout, t'as pas besoin de parler.
Oh là là là, il y a des dialogues. Ah, mais Sonic, c'est aussi un lore. Il y a eu deux films, il y a des séries En veux-tu, en voilà. Ouais, mais alors. Il y a Idriss Elba. Pour entendre, il est sur son avion. En plus, les cutscenes sont pas jolies. Ah non. Autant, moi, je trouve le jeu joli, mais autant les cutscenes semblent sorties de Sonic Colors. Il y a Tooby qui te fait les cutscenes, quoi. C'est ouf. Allez, on va enchaîner après avoir parlé pendant un quart d'heure de Sonic Frontiers. Mon cher Hubert, là, je pense que c'est important que tu sois directement sur le PowerPoint parce que je vous réserve des surprises. Littéralement. Ah merde, des surprises ? Eh oui. Littéralement des surprises ! Ah. Parce que vous savez, Daniel est un joueur passionné qui joue à des zillions de jeux chaque année. Et comme je savais qu'il allait s'engranger à la moindre. Comment dire ? Profiter de la moindre brèche pour s'engouffrer pour en parler. Alors, jeu de train. Je me suis dit, meilleure surprise, c'est un peu la séquence Daniel, d'accord, si tu veux, vas-y. Avec trois jeux. Tu sais que je vais en rajouter encore trois autres. Non, bah non, c'est le but, justement. Meilleure surprise, avec la première surprise, mon cher Daniel. Hop, elle va apparaître sous vos yeux ébahis encore. Ah bah, on commence. Earth Defense Force 6. Chikyu Boygun 6. Qui n'est pas sorti encore en Occident. Alors, des gens qui ne connaissent pas forcément Chikyu Boygun, s'ils n'ont pas suivi nos tribulations antérieures. Elle est bonne celle-là. Tribulation. Bon, en deux mots. C'est. En deux mots, et pourquoi le 6 ? Ah, pourquoi le 6 ? D'abord parce que c'est celui qui est sorti cette année, mais aussi, je pense que c'est le meilleur scénar que j'ai jamais vu dans Earth Defense Force. Est-ce que c'est difficile comme ça ? Non, mais vraiment, je le cite vraiment. 4Gamer, ils ont interviewé les scénaristes de ce jeu. Il y a deux semaines. Grand site japonais pour qu'il parle de, parce qu'il y a des gros twists en fait dans ce jeu. Je vais parler avec des pincettes pour pas trop révéler. Mais en gros, c'est l'apocalypse. Mais en gros, il y a on te fait vivre beaucoup d'apocalypses en fait. Tu revis des apocalypses et il y a une espèce de time loop assez intéressante. Et c'est vraiment scénaristiquement, c'est assez audacieux. Ça fait aussi un des jeux les plus longs. Il y a 147 ou 150 missions. Ça, c'était souvent le cas dans des missions. Non, parce qu'à chaque fois, c'est en montée en difficulté. Au début, c'est 50, ensuite, ils sont montés à 70, c'est parfois 100. Là, du coup, ils ont pété le record, c'est 150. Si vous êtes un joueur de succès trophée, c'est le jeu. C'est le jeu le moins rentable de l'histoire parce qu'il demande de finir toutes les missions dans toutes les difficultés. Ouais, ça stack pas. C'est... Il faut que tu finisses tous les jeux, tous les niveaux en easy, ensuite tous les niveaux en normal. Non, c'est vrai, tu as raison. Non, ça stack pas. Ça stack pas. C'est un jeu assez ingrat si tu joues pour ça. Par contre, si tu joues pour la puissance de l'oppression extraterrestre, parce que c'est ça, c'est les extraterrestres. Alors, il y a des nouveautés. Évidemment, on retrouve les grenouilles snipers, mais il y a maintenant les poulpes qui ont des boucliers. On retrouve les grenouilles snipers. Quand tu arrives à vendre un jeu sur cette promesse-là, c'est que tu gagnes. Les grenouilles snipers, c'était les épisodes précédents. Là, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, J'ai passé un super moment. Tu oublies aussi le côté Diablo hyper addictif où tu vas refaire des missions pour faire du loot parce que ton personnage progresse en récupérant des choses qui tombent aléatoirement sur la map. Le loot est mieux géré parce que maintenant, en plus, quand tu joues en multi, ce que j'ai beaucoup fait, on récupère tout le loot en commun et tout. T'as un système d'expérience qui est mieux fait. Enfin, tout ça, ils ont un peu peaufiné. Mais ça reste quand même très... Genre, c'est comme si tu... C'est Nanarland, le jeu. Voilà. Mais c'est génial. Hein. Alors, regarde. Alors, donc, il y a les extraterrestres en scaphandre et ils perdent leur scaphandre. Donc, je t'ai parlé du poulpe qui tient des boucliers. Pas encore, qui tient des boucliers magiques. Mais comme les mecs dans Macross, tu sais, des boucliers, genre, avec un trackball, ils bougent des boucliers. Ils font ça, mais avec les tentacules. C'est vraiment tout ce qui m'a... Évidemment, il y a les araignées, il y a les fourmis, il y a les araignées géantes. Si vous aimez pas les insectes, clairement, c'est pas votre jeu. Mais voilà, il y a un mot que je disais avant et je ne sais plus le dire, mais c'est une explosion sanguine sur l'écran. Voilà. Très bien. Voilà. Et honnêtement, c'est le meilleur épisode de la saga et c'est celui que j'attends. Parce qu'à chaque fois, ils essayaient de faire le 2 et celui sur Xbox qui est vraiment très très bien. Ils essayaient de refaire toujours la même chose, ils n'y arrivaient pas. Et là, c'est la première fois où ils y arrivent et c'est super. J'attends que ça sorte en Occident en fait. Merci. Pour y rejouer. Il arrive. Je te il confirme. Merci pour cette première surprise. On passe à la deuxième surprise. Attention. C'est Sonic Frontiers. Bon. Ça sent bien. Bon, on en a déjà parlé. Pas on besoin. En parle plus. Troisième surprise. Et là, c'est une surprise. J'ai une surprise pour remplacer Sonic Frontiers. Oui, mais non. Oh là là. Troisième surprise. Attention. Ah, Gran Turismo. Gran Turismo 7. C'est vrai. Quoi? Alors que moi, je suis pas du tout Gran Turismo, j'ai essayé... T'es plus Forza Horizon, toi. Ouais, en plus, alors, Forza Horizon pendant 8 heures de jeu. Après, au bout d'un moment, je sature un peu.
Et là, j'ai joué 30 ou 40 heures de jeu, en plus dans la version vanilla, donc c'était plus facile de farmer les bagnoles, d'après ce que j'ai compris. Et honnêtement, moi, j'ai compris le truc un peu lounge de Gran Turismo. Entre chaque course, il y a José, non, je sais plus comment il s'appelait, parce que ça fait, j'ai pas joué depuis sa sortie. Mais appelons-le José. Ouais, mais en fait, il y avait Lucas, il s'appelait Lucas. Ah, Lucas, oui. Lucas qui dirige le café. Faut faire José. Et il arrive et il t'accepte dans son café et c'est des visages super cosy. Il dit, regarde, ça c'est les trois Renault de cette année-là. Et il te fait un peu le topo. Et t'as des personnages qui arrivent, ils sont tous sourire. On m'a dit que c'était des grands joueurs, des grands pilotes. Et c'est un côté très très cosy, très. L'emballage est vraiment hyper plaisant. Et le jeu aurait pu être moins bien, mais avec ce niveau d'emballage, j'étais transporté. C'est comme Persona 5, c'est l'interface utilisateur qui transcende l'expérience. Ah ouais, non, mais s'il n'y avait pas l'interface, le jeu serait moins bien. Mais surtout, les cafés, les bars, tu peux laver ta bagnole, juste pour le plaisir de laver ta bagnole. Alors, donc tu veux dire que la Power Wash offert dans le jeu. Moi, la plus grosse surprise, que j'ai adoré Gran Turismo 7 pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Extraordinaire jeu, hein, sur le côté, voilà, le côté pépouze, il ne te manque plus que le plaid et le chat sur les genoux. Moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est le petit autocollant qu'on voit un peu sur la jaquette et que personne n'avait négligé jusqu'à ce que ça merde. Tout le monde avait négligé. que tout le monde avait négligé jusqu'à ce que ça merde. À savoir la connexion indispensable. Honnêtement, c'est vrai que jusque-là, tout fonctionnait bien. Puis il y a eu un moment, au moment du lancement, où ça n'a plus fonctionné. Et... parce que la connexion est obligatoire pour profiter du mode... Il y a un bug au début. Ouais, enfin, il a duré 24 heures. Mais quand t'es lancé dans ton Gran Turismo au moment du lancement et que t'as envie d'en profiter, c'est 24 heures, tu les ressens très, très vite. J'ai envie de dire, pour les 6 acheteurs de PS5 dans le monde à ce moment-là, c'est pas terrible. Je plains les possesseurs de PS4 qui l'avaient. Ouais. Et c'était assez étonnant de se dire, parce qu'il n'y a aucun moment quasiment dans le jeu, même quand il load ou quoi, où il va te dire, je me connecte au serveur, attention, si tu débranches ton RJ, c'est la merde, quoi. Et c'était assez bizarre. Et voilà, dans le genre connexion obligatoire masquée, celui-là, il a battu tous les records. Bon, Daniel. Ah, j'en ai un. Ah, il est trop fort. Non, il est trop fort. On n'arrivera jamais. Ça, mais tu le chasses par on la force. On n'arrivera jamais à canaliser. Ouais, celui-là. Non, mais après, tu sais quoi, je sais que les gens qui nous regardent... C'est ta plateau. Tu sais quoi, c'est les gens qui nous regardent. Sort, maintenant, on est sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont souscrit à Daniel. Ils pourront. Ils sont les maîtres. Ils peuvent le passer en 1,25. Ils pourront. C'est quoi, on laissera à nos patrons. Il y a le chapitrage maintenant. Voilà. Il y a le chapitrage, oui. On laissera à nos patrons le choix. Est-ce que vous voulez des émissions plus courtes ou plus longues? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe tous les moments de Daniel en 1,25 fois 1,25? Bon, bref. Il y a vraiment un jeu dont il faut parler, et je sais que je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais parce qu'il n'y avait pas exactement le truc. Mais pour moi, c'était l'expérience du Japon. Je joue à beaucoup de jeux de train, et donc j'ai l'impression de me transporter au Japon. J'ai joué à un jeu de train incroyable. Est-ce que tu as demandé à Hubert de préparer les images? Je ne suis pas sûr. Ouais. Non, pas celle qui vient, mais j'ai un jeu de train extraordinaire en FMV. C'est vraiment la grosse surprise. En FMV, où tu vois... normalement ils masquent les gens dans les jeux de train maintenant, tu sais, les mecs ils masquent pour éviter qu'on les reconnaisse puisque c'est du FMV, et là je sais pas pourquoi ils les ont pas masqués, et j'espère que les auditeurs, enfin les viewers de ceux qui nous écoutent, puisqu'on sera aussi en podcast, on a oublié de le préciser. Mais du coup qu'ils ne préviennent pas cet éditeur, mais on voit dans le deuxième parcours, deuxième station, on voit un mec uriner. Le mec, tu vois clairement son visage. Et alors, tu peux faire de la FMV, mais c'est quoi? C'est un mec bourré qui est en train de faire pipi non, sur le quai? Non, c'est des travailleurs, je crois, sur le côté. Et du coup, le mec, il avance et tout. Et genre, alors, j'en croyais pas. Mais... Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est de la FMV qui avance et rewind quand tu fais... Bon, après, je sais pas si le train recule. Non, le train recule. Et du coup, est-ce que le jet recule lui aussi ou pas? Est-ce que tu peux faire un boomerang sur le gaga, sur le gars qui fait pipi? Non, bon. Il est con. Ouais, ça, alors... Maintenant, mon jeu, ta vraie surprise, la cinquième surprise. C'est Ghostwire Tokyo. Ah, c'est franchement, si tu veux l'expérience japonaise, aujourd'hui, Ghostwire Tokyo, ça me donne tout ce que Assassin's Creed peut faire aux gens. Genre, je visite Jérusalem, je visite Venise. Tu vois, genre, ça me donne un truc de. Là, c'est tu visites Tokyo comme si tu l'as jamais vu, c'est-à-dire. Avec des gens vides. Je suis en train de mater une série, puisqu'on ouvre des parenthèses de pop culturelle. Alice in Borderland. Et c'est un peu cette idée-là, tu sais, qui est un peu genre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne à Tokyo. C'est ça aussi, Ghostwire Tokyo. Il n'y a plus que des fantômes et des gens qui veulent des esprits, des yokai qui veulent s'échapper. Et honnêtement,
il y a une boucle de jeu géniale, vraiment à jouer, c'est vraiment super. Les combats ne sont pas si importants. Et donc, en fait, tu fais de l'urbex dans un Tokyo vide, mais il y a quand même les combini qui sont ouverts, parce qu'il ne faut pas déconner. Et à un moment, tu rentres dans la station de métro, mais tu rentres dans la station de métro, tu rentres profondément, tu rentres sous terre, sous terre, sous terre. Vraiment, il y a des idées d'ambiance et de décor par rapport à l'ambiance. Si on parle de... tu vois, de narration par environnementale, on va en reparler peut-être dans Elden Ring. Ah bon, là, en l'occurrence, je connais pas. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Ghostwire Tokyo, c'est le joyau de cette année auquel pas assez de monde a joué. Très vraiment, bien. C'est super bien. Eh bien, merci. Et ça Daniel. Te donne l'impression d'être au Japon. Merci Daniel pour ces 5 surprises. Hein, tu vois, j'en avais réservé 3. On en a 2. On a 3 trésors du dessert vietnamien et t'as les 5 surprises. Franchement, on s'en sort bien. Hein. On a connu des périodes attends, plus fastes. J'ai remis ma liste parce que. Non, je t'ai dit ça truc. Sa liste, elle fait ça. Oui, je sais. J'avais prévu meilleur ou moins. Pire remake. J'avais prévu même des runner-up. Je me suis dit, si on a le temps, je ferais. Alors, j'ai pas voté pour lui, mais en fait, c'est lui. En fait, si. Non, on va pas s'en sortir. Les gens ont une vie. Alors, on passe à la suite. Et la suite, attention, la suite, c'est quoi? C'est le meilleur jeu avec des monstres. Ah, bah oui. Parce que forcément, on aime bien les jeux de monstres. Mais il y en a plusieurs qui sont sortis cette saison. Et ça tombe bien. On a voté chacun pour un jeu différent. Et pas Dragon Quest. Ouais. Et pas Dragon Quest. Alors oui, si je puis me permettre une petite parenthèse sur Dragon Quest. Ah bah ouais, ça par contre, hein, les parenthèses, oui, mais les parenthèses de l'Urus. C'est ma seule parenthèse ou presque. Dragon Quest Treasures qui est sorti début décembre. Il l'a pas mis en déception. Il aurait pu, mais il m'a pas... En fait, c'est même pas de la déception, c'est de l'indifférence. C'est encore pire. Ah oui. Je trouve ce jeu, mais... Absolument. Pourquoi? Ben parce qu'il ne s'y passe rien. Moi, parce que le système de combat, il est OSEF. Parce que le recrutement des monstres, il est assez random. Et parce que, je sais pas, il m'est tombé des mains en l'espace de 4 heures. Très mignon. Mais mignon peut-être, mais j'étais vraiment déçu. Et pourtant, je voue un culte à Dragon Quest, forcément. Mais je sais pas. En plus, t'as même les musiques de DQD. Alors peut-être que ça tient simplement aux collisions. Et, vous savez, là aussi. Non, alors. La mémoire tactile, comment dire. Non, mais c'est vrai que toi qui es plutôt un mec de gameplay et qui aime un peu la précision. J'ai trouvé ça. C'est un peu random en termes d'action. Et alors, d'une lenteur et d'une mollesse, ça m'a pas fait le. Bah, pour tout vous dire, même ma tante l'a trouvé pas terrible. Et pourtant, ma tante, voilà, c'est brave dame de 73 ans qui fait des RPG. Et, voilà. elle me l'a montré, parce qu'on s'est tous réunis à Noël en famille, et elle me l'a montré, elle m'a dit, dis donc, j'ai acheté celui-là, il est pas terrible. Hein. Alors qu'elle avait commencé DQ11, elle s'est acheté un PC, elle a pris le Game Pass, elle a commencé DQ11, et ça lui a tellement plu que quand il a quitté le Game Pass, elle s'est racheté. Ah, wow. C'est merveilleux. Bah, ouais. Comme quoi le Game Pass ne broie pas tout. Comme quoi DQ11 aussi. Bah oui. Ouais. Mais pour finir sur un petit secret d'alcôve, il faut savoir, parce qu'on a, beaucoup d'amis communs dans le Sumimasenverse désormais, et parmi ces amis communs, on a les gens de chez Trader, dont on reparlera sans doute on les enchaînement. Une boutique d'import de Paris qui a pignon sur rue, hein, qui est dans le boulevard pas spécialisée Folter. Pour trouver des jeux un petit peu compliqués. Ils vont nous prêter du matériel de décoration. Tout à fait. Et ils nous font régulièrement, Kirby vert. Régulièrement des faveurs et on les salue pour ça. Et il faut savoir que Dragon Quest Treasures, il ne restait plus qu'un exemple, enfin 2 exemplaires disponibles en rayon. Et j'ai hérité de ces deux exemplaires, un petit peu. En japonais ? Non. Tu vois le mensonge de Puyo, parce que c'était un exemplaire réservé à quelqu'un. Oui, mais qui passait plus tard. Il passait plus tard. Ouais, bien sûr. Qui a dit qu'il passait en début de semaine. Je n'ai pas pris non plus la commande parce qu'il y avait un restock. J'appelle ça. Bien à préciser tout ça parce que je veux pas que les gens croient que j'ai volé le pain. J'appelle ça DJ Cut Killer. Wick. Bon, tout ça pour dire que j'ai eu Dragon Quest Treasures par ce biais-là et que j'étais chaud comme la braise et finalement, bah non. On va revenir sur les meilleurs jeux avec des monstres. Parce que forcément, il y avait le King. On va passer de gros King à mini King à King of the Monsters, voilà, littéralement. Avec Pokémon Violet. Oui, on en a beaucoup parlé cet automne, Pokémon Violet. Et alors, toi, Greg, t'as complètement adhéré. On sait, faut-il le rappeler, hein, parce qu'on est entre vétérans, que Greg est un petit peu le défricheur de Pokémon en France. Allez, soyons... Oui, soyons comme ça. Il faut faire rêver les gens. C'est le moment où on doit dire que cette chose a eu lieu à 10 mètres de l'endroit où on enregistre. On était dans les locaux d'Animeland, et encore pas ceux-là, mais les anciens qui étaient à l'étage.
et j'avais laissé ma Game Boy. On venait juste de commencer Pokémon, Greg et moi, et je venais de laisser ma Game Boy, et je lui ai dit, vas-y, chope-toi les monstres que tu veux, fais les échanges, comme ça, tu récupères ce que tu veux. Et il m'avait volé mon main. Il m'avait volé mon Hitokage. Comment ils appellent Hitokage en français? Salamèche. Il m'avait volé mon Salamèche. Ah, et tu m'as dit, prends ce que tu veux. Moi, c'est tu fais comme chez toi. Hein. Ah oui. Et ouais. Je lui ai dit, tu m'as pris mon Hitokage. On s'est revu 2 jours après pour qu'il me le rende. En plus, c'est pas le multi-ex. Donc, s'il te l'avait chopé, là, t'étais un peu de. Oui, non, c'était fini. J'étais un peu vert, j'aurais pas voulu, mais genre j'aurais dû être plus précis dans mon truc. Ah non, tu dis je prends ce que tu veux, c'est vrai. Ce que j'ai voulu. C'est vrai, voilà, mais je suis désolé. Donc Pokémon Violet. Quel souvenir de faire ça. Merci à cause du pour le. Voilà. Pokémon Violet ne t'est ni tombé des mains, ni tombé des yeux. Non, absolument pas. T'as kiffé. Oui, vraiment de A à Z. Attends, on est dans moche ou dans pas moche? Moche, moi et méchant. Non, c'est lequel celui-là? C'est le Violet. Pokémon Violet. C'est Violet, donc c'est moche. Mais là, Arceus, c'est moche. Et non, moi je l'ai trouvé vraiment parfait. Enfin, c'est vraiment la... Alors c'est drôle parce que je vais répéter un peu ce que j'ai dit au concepteur du jeu que j'ai eu la chance de rencontrer là à Tokyo il y a 2 semaines. Je suis allé visiter la Pokémon Company. Je les avais pas vus depuis 3 ans, donc ouais. On est allé. Je leur ai offert des Pyrénées. Hein. Les Pyrénées, ça marche vachement bien parce qu'au Japon, ils en ont pas. Et beaucoup de Japonais me demandent des Pyrénées. Bon. Et donc on est. C'est vraiment le Pokémon que tout le monde voulait sans savoir que c'est ça qu'il voulait. Parce que pourtant, ça fait 20 ans qu'on le réclame, non ? Non, justement, les gens réclament pas ça. Les gens, ils réclamaient des trucs impossibles, genre des MMO ou des choses comme ça. Et ils ont réussi à faire la meilleure formule possible pour rendre Pokémon. Pour faire de Pokémon un jeu de son temps. Donc, c'est vraiment. C'est la cristallisation de tous les bons côtés c'est vraiment, ils ont pris tous les bons côtés des meilleurs anciens Pokémon ainsi que de ce qu'ils ont expérimenté dans Arceus. Et ça donne un jeu à monde ouvert. Alors, on verra que c'est un monde ouvert où tu es quand même limité à l'ancienne. Ça m'a surpris, tu vois. Le côté chemin balisé où vraiment les niveaux ne s'adaptent pas à ton itinéraire, entre guillemets, ou aux arènes que tu as fini. Bah, ça te guide. Si tu dis, oh là là, là, je me fais casser la gueule, je vais pas passer par là. Mais par contre, si tu forces un peu, tu peux passer quand même. Ouais. Donc, ça m'a pas dérangé plus que ça. Non. Ah, de quoi j'ai pas entendu quoi. On a passé le premier palier. Soumimasen. Merci de votre soutien. Soumimasen, les amis. Ça veut dire qu'on fera un live. Ah bah le live est pris. Le live est garanti. Tu vois, je parle de l'émission live en public. Bah ça c'est Pokémon. Et le prochain palier n'est pas loin. T'as vu, ils sont. Ah je pas regardé. Non mais il est pas loin. Ah oui. D'accord. Dans l'échelle du palier. Ouais voilà. D'accord. Eh bien Soumimasen. Merci. Mille merci. On a hâte. Et donc je disais, voilà, c'est vraiment un jeu dont la recette fonctionne parfaitement bien. Ça a toujours été ça, Pokémon, ça a toujours été, bon, voilà, choisis une bestiole et pars à l'aventure. Et après, le chemin était extrêmement balisé. Pokémon, ça a toujours été un jeu qui est très vertical, hein, tu pars du bas vers le haut. Bon, après, tu as des embranchements et tout les ça. Les dresseurs qui viennent te les briser. Et là, il y a une vraie... Alors, il y a déjà une liberté géographique qui est vraiment très, très plaisante. Il y a aussi une liberté scénaristique qui est à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui est vraiment très intéressante. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas d'enchaîner les 8 mètres et puis voilà. C'est que vraiment, tu as différentes missions qui sont plus ou moins optionnelles et vraiment, tu les fais dans l'ordre que tu veux. Tu as 3 grands objectifs un peu comme tu veux, et tu les fais dans l'ordre. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Le fait d'avoir un Pokémon moto pour se déplacer plus vite, bon, effectivement, il y a des puristes qui disent « mais il a une roue à la place du torse, c'est chelou ». C'était nécessaire, franchement. C'était nécessaire, et puis bon, après, il y a des Pokémon cornets de glace, des Pokémon chandeliers, donc pourquoi pas des Pokémon moto, tu vois. Et ça ne me choque plus, même si effectivement, moi, je suis vraiment un adepte de Pocket Monster, donc je suis vraiment plus dans l'animalité des designs que... Enfin, moi, c'est vrai que je ne suis pas un fan des Pokémon objets. Donc Forgelina avec son gros maillet, là, c'était bof.
Non, ouais, ça va, parce que c'est, un, c'est une créature. Tu vois, c'est une créature. Mais voilà, justement, c'est très paradoxal. Parce que non, le chandelier, donc Lugulabre, c'est un de mes Pokémon préférés. Mais c'est parce que je suis un utilisateur de type spectre. Mais par contre, voilà, sort bébé et sort boule, je les hais, vraiment. Un des gens de Pokémon a offert à mon fils pour sa naissance. Enfin, pour sa naissance, quand il l'a vu, il lui a dit, tiens, voilà, voilà le chandelier. Je me suis dit, merde, c'est quoi la backstory? Je suis allé voir la backstory pour savoir si c'était pas un truc genre un chandelier qui kidnappe les enfants. Si. Non, Lugulabre. Non, Lugulabre, ça va. Ça, je crois que ça va encore. Mais Funessir, donc, qui est sa première évolution, donc, qui est une espèce de petite bougie à moitié fondue, super mignonne. En fait, c'est un Pokémon qui brûle en absorbe. Enfin, quand il brûle à côté de toi, en fait, il absorbe la force vitale des gens qui sont à côté de lui. Donc. C'est pas un chouette Pokémon en fait. Enfin, il est super mignon et tout, mais il profite de son entourage. Bref, tout ça pour dire que Pokémon Violet Écarlate, c'est vraiment un super jeu qui est extrêmement riche, en plus qui est très animé en termes d'activité en ligne. C'est-à-dire que sur il y a des événements. C'est-à-dire que c'est pas un MMORPG, mais tu peux jouer à 4. Ouais. Les gens peuvent venir les uns chez les autres. Ça c'est super. Il y a d'ailleurs un Pokémon. Il y a des gens qui ont fait l'intégralité de l'aventure en coop. À 4, voilà, ouais. C'est exactement ça. Donc il y a une Monster Hunterisation de Pokémon du côté coop. Qui est vraiment chouette. Il y a aussi tout ce côté on va dire découverte ensemble de nouveaux univers. Il y a le côté chasse est vraiment très très présent parce qu'il y a déjà beaucoup d'astuces pour comment avoir des shiny, etc. Oui, avec les repas et tout. Voilà. Ouais. Et surtout, il y a la Pokémon Company, Game Freak anime le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon saisonniers, t'as des Pokémon qui n'apparaissent qu'à certains moments. Donc là, le jeu n'a que 2 mois d'existence, mais on voit déjà que de telle date à telle date. Les raids, ce sera tel Pokémon, de telle date à telle date, les raids, ce sera tel Pokémon, et donc faut s'organiser, parce qu'évidemment, les raids les plus balèzes, les raids 6 étoiles, forcément, tu peux les faire que si t'es super équipé. Donc, il y a vraiment un côté communautaire, post-monsteriste, monster hunteriste, qui commence à se créer. Mmh. Parce que, effectivement, les boss de raid, tu peux les faire seul avec 3 NPC, mais en général, les PNJ sont complètement idiots. Donc, ça dépend. Dans les raids les plus simples, ça passe. Mais il y a des gens qui les solotent aussi. Voilà, oui, bien sûr. Il y a des gens. Enfin, voilà, moi, les premiers raids où les gars se faisaient des nymphalies sur mesure avec le bon talent, avec c'était quoi ? Non, c'était pas Ultra Laser, c'était avec l'attaque porte-voix, je crois, où justement, il fallait un nymphalie avec un talent caché qui transforme toutes les attaques en attaques de type fée, et ça te permettait... Bref, il y a du méta-jeu dans Pokémon Violet, comme il y en a dans tous les autres Pokémon. Mais là, il y a vraiment une science du truc qui fait que si t'es pas dans le méta-jeu, mais que t'as un copain qui l'est, il peut t'emmener et te faire découvrir un monde extraordinaire. Et c'est vrai que pour moi, ce jeu-là est vraiment axé sur la découverte. Et c'est vraiment chouette. Pour moi, le seul défaut du jeu, mais vraiment... Qu'il est laid. Le seul... Non, mais alors même pas, parce que c'est-à-dire que... Il est laid quand même. Non. Moi, je le trouve pas laid. Ça serait level 5, ça serait au moins beau, tu vois. Il est quand même moche. Moi, il est pas... Pas beau, mais tu vois, genre, soigné. C'est-à-dire que Pokémon... Pokémon... Quand j'ai joué... Techniquement déficient. J'ai joué deux arènes, enfin l'équivalent des arènes. J'ai adoré la boucle de gameplay, j'ai adoré, mais par contre, vraiment, genre, clairement, c'était le proto, quoi. Enfin, il sort 6 mois trop tôt. Du point de vue technique, ça m'aurait pas gêné si j'avais pas. Si j'avais continué. Quoi. Mais alors, chambre en bas, parce que moi, j'ai pas eu de bug, j'ai jamais passé, je suis jamais passé à travers le plancher, j'ai jamais fait 3 mètres. Quand on tourne la caméra et tout. Oui, j'ai pas eu des bugs aussi vénères que ça, mais enfin. C'est pas gênant, parce que tu. Alors, moi, déjà, j'y ai pas joué à l'écran, j'y ai joué que en portable, enfin, j'ai joué à la télé quelques minutes de temps en temps, mais j'ai pas eu de bug gênant, en fait. Et pour moi, Pokémon, de base, c'est un esprit minimaliste dans sa représentation. Donc, le fait que le jeu soit pas graphiquement hyper poussé n'est pas gênant dans la perception que tu as de Pokémon. Tu vois, tu regardes Pokémon dans son univers, le dessin animé, les graphismes sont simplistes. Donc, pour moi, ce n'est pas gênant. Pokémon, graphiquement, me gêne moins que Sonic, où Sonic, justement, va essayer de faire coexister à la fois des personnages de dessin animé
et des textures Unreal Engine hyper réalistes. Enfin, c'est, ouais. Pour moi, c'est plus gênant quand tu vas dans un côté réaliste. Alors que quand Pokémon reste du côté cartoon, c'est moins embêtant d'être moins ambitieux graphiquement. Alors moi, je veux juste me mettre à la place des développeurs qui doivent pondre ça, genre un exemplaire tous les ans, maintenant deux exemplaires par an. Enfin, genre, c'est à s'arracher les cheveux. C'est vraiment, c'est dur hein, pour eux. Et de voir le résultat, et je suis sûr qu'ils ne doivent pas être contents de ce qu'ils ont fait en termes techniques. Mais non, mais ils s'en foutent, c'est le plus. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais en tout cas, comme le dit Greg, c'est accessoire dans le succès du jeu et même dans l'accueil qui lui est réservé. Par rapport à l'argent, l'argent génère, tu vois, c'est par rapport au prorata de ce que l'argent génère. Je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est d'engager un studio externe qui s'occupe que du développement 3D des personnages. Moi, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est qu'il manque d'animation pour des bestioles, en fait. Mmh. Ils ont juste les animations de base et c'est pas ouf. Alors qu'en fait, quand tu vois les bestioles, genre quand t'as envie de les voir vivre, t'as envie de voir, genre j'ai envie de voir comme je sais pas, le Ghost of Tsushima, tu vois le renard qui bouge partout, j'ai envie de voir les animaux. Ouais, tu les vois, c'est juste qu'ils ont des animations un peu plus pauvres, ils bougent à deux à l'heure. Mais c'est marrant de les voir se balader, et il y en a qui te sautent dessus et tout, c'est assez marrant. Mais si tu veux plutôt, pour moi le safari c'est plus Arceus en fait. On va y venir juste d'un point de vue mécanique par rapport. Juste d'un point de vue mécanique par rapport à Pokémon Violet, il y a des trucs qui m'ont surpris. Justement, on parlait de l'enchaînement des différentes arènes et des différents niveaux. Je sais que ma fille est partie dans la direction inverse de la mienne. Et du coup, pendant très très longtemps, elle n'a pas pu hériter, n'a pas pu battre le primordial qui réservait le pouvoir de nage. Ah, et oui. Du coup, elle s'en est plainte. Et c'est bizarre la façon dont sont distribués les pouvoirs d'exploration. Oui, ils sont distribués géographiquement. Ça aurait été mieux de les attribuer en fonction du primordial que tu bats. Pour pouvoir avoir, on va dire, le même champ d'exploration. Ça aurait été cool. Et d'un autre point de vue mécanique, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est le lancer de boules Pokémon sans avoir forcément à combattre, qui permet quand même d'accélérer et de faciliter la progression à ton rythme. Non, mais c'est une révolution. Les combats automatiques, c'est une révolution. Ce qui permet de garder... C'est toi qui dictes le rythme de ton exploration et de ta chasse. Et je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Et en plus, le fait d'avoir pensé plein de raccourcis pour remettre le Pokémon dont tu as besoin en premier... pour aller chasser, ça facilite grandement la vie. En termes d'interface, il a été complètement repensé. Tu n'as plus besoin d'ouvrir 4 le menus. Auto, non, ça, c'est super. Mais ça, c'est un peu un héritage aussi de la philosophie d'Arceus sur lequel on va venir maintenant. Et Arceus, que j'ai préféré parce que, même si malheureusement, ce n'était pas un véritable monde ouvert. Donc c'était... Alors, j'ai préféré Arceus. C'est des zones, c'est le Monster Hunter de Pokémon. C'est le Monster Hunter de Pokémon, Arceus, clairement. Moi, ce que je trouve intéressant dans Arceus, tu me permets, parce que toi, c'est ta sélection. Justement. Non, mais je l'ai peut-être choisi ailleurs, je sais pas. Oui. C'est qu'ils ont complètement gamifié le fait de choper des monstres. La capture gamifiée, c'est trop bien. Et ça, vraiment, c'est trop bien. Que c'est pas juste la capture, c'est la manière dont tu captures, la personne que tu captures, et que ça a un impact sur ta progression. Ça, je trouve ça vraiment ça très, très malin. Ça a tout changé. Et le fait que le combat ne s'arrête pas. J'aimerais que ce soit le meilleur des deux mondes pour le prochain Pokémon. Honnêtement, j'aimerais vraiment que Arceus devienne. Le Arceus devienne la norme et que et qui booste un peu la juste un petit peu la technique, mais parce que contrairement à Violet que je trouve absolument abominable, Arceus je trouve qu'il a quand même un cachet visuel qui, au-delà de l'aspect technique qui est quand même rudimentaire pour un jeu de 2022, il a quand même son esthétique. Il a quand même son esthétique et elle te fait tout de suite, elle t'entrouvre un univers que Pokémon Violet, je trouve. T'es quand même tout de suite dans des espèces d'aplats criards qui te sortent quand même de ton expérience, de ton exploration, de ta chasse. Là, franchement, c'est un jeu qui m'a hypnotisé. On parlait tout à l'heure, il y a très longtemps, de SNK versus Capcom. C'est un jeu que j'ai dévoré, là aussi. Il m'a happé par ce côté voyage dans le passé, voyage dimensionnel, et surtout par son rythme trépidant de la capture qui est tout le temps là, présente. Que ça soit Pokémon Origins, que genre on sait pas exactement les premières Pokéballs, comment choper les monstres, c'est encore un monde un peu aride et tout. Je pense que conceptuellement c'est assez intéressant. Ouais. Donc vraiment vraiment une excellente surprise en plus. J'aime bien aussi le différentiel de taille qu'on ressent peut-être un peu moins dans Pokémon Violet. Mais c'est sûr quand tu vois ce que les gens attendaient d'un monde ouvert Pokémon et que tu vois parfois les photos et les captures d'écran et tu vois que c'est quand même claqué par terre. Genre tu vois un lac et le lac c'est genre une texture et tout, bon d'accord, mais par contre en termes d'environnement et de, c'est vraiment intéressant la proposition. Et en plus ils osent quelques trucs. Alors c'est plus ou moins réussi dans le système de combat avec le principe d'attaque boostée, de défense boostée.
qui est pas si inintéressant, mais que tu dont tu n'aperçois le véritable potentiel qu'à la quasi toute fin, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, bah, l'attaque rapide ou l'attaque puissante, oui, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, d'autant plus que tu es souvent overlevel par rapport. T'es souvent plus balèze que les Pokémon de la région que tu vis. Mais dans les phases finales, quand tu commences à avoir des enchaînements de boss avec voilà, la nécessité quand même de bien gérer tes ressources, ça commence à prendre du sens. Et je me dis que ça aussi, quand il y aura vraiment moyen de le creuser dans Arceus 2 ou un légende Pokémon, je sais pas, Giratina, tout ce que tu veux, eh ben on commencera à re-kiffer à nouveau. Donc j'ai quand même hâte de m'y mesurer. Et c'est mon jeu de monstre à moi ? C'est ton jeu de monstre à toi aussi. Ultra Kaiju Monster Rancher, et oui. On en parlait avec un ami commun, comme on dit. Et c'est vrai que ce jeu presque sort trop tard. Parce qu'en fait, Monster Farm, il faut le resituer, c'est un jeu sur PlayStation de Tecmo, à l'époque où Tecmo n'est pas connu Tecmo. Et il était basé sur le fait qu'on mettait un CD audio dans la console PlayStation, et la PlayStation faisait que chaque CD audio en fait était un code et elle générait un monstre différent. Alors là, pour pallier à ce truc, tu génères ton monstre en te basant sur la base de données des chansons disponibles dans un karaoké japonais. C'est con, mais ça passe. Donc c'est en démat, quoi. Enfin, c'est ouais, simplement oui, en c'est liaison un, avec le service. C'est en liaison avec en réseau et clac. Et mais sinon, c'est pour ça que l'assistante, elle a le gilet des gens de karaoké. Mais voilà. Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais sinon, tu peux générer un monstre artificiellement ou alors avec les trading cards, si tu as la version japonaise, tu sais, avec les, il y a une puce dans la carte et tu peux générer avec les cartes à collectionner. Mais ça, c'est vraiment le truc subalterne, parce qu'en fait, ce qui est vraiment génial, c'est qu'une fois que t'as ton monstre, alors moi, je leur donne des noms d'hommes politiques du passé. Tu vois, j'avais un monstre avec des... Ça, c'est une marotte chez toi. Ouais, hein. Je l'ai appelé Sarko, ouais. Tu vois, évidemment. Et du coup, tu élèves ton monstre, et c'est les boucles de gameplay sont hurlées de rire. Puisqu'en fait, tu lui files à manger pour qu'il soit bien, mais il faut pas... trop l'entraîner parce qu'il fait des pompes dans des volcans, il fait des conneries pour monter de niveau, tu dois aller dans la neige, en fait il y a vraiment des petites activités débiles qui boostent tes capacités et c'est absolument adorable ce que tu peux faire. Quand tu montres trop sa barre de rage, il devient berserk et à ce moment là il casse tout et donc du coup tu perds presque une saison entière à essayer de le calmer. Il y a Ultraman qui apparaît, puisque c'est des monstres d'Ultraman, et Ultraman apparaît en caméo, sauf qu'il apparaît quand t'es Berserk, et lui, il a une barre de 9999 de HP. Il te défonce. C'est très très drôle, c'est vraiment bien, et il y a des tournois, et donc c'est basé sur le temps qui passe, donc c'est jour par jour, t'as des tournois, et puis à la fin, t'essayes de gagner les tournois et tout ça. Ce jeu existe en anglais, figurez-vous, ouais. C'est un truc. Il est disponible sur le store américain, je crois. Mais j'allais poser la question à Greg, toi qui es fan de Kaiju, d'Ultraman et tout ça, t'as pas eu l'occasion de le toucher ? Non, j'ai pas eu le temps. Ouais, bah, oui, c'est vraiment un super jeu. Ça te donne envie, du coup ? Ah bah oui, carrément. Il existe en démat, donc en US, il existe en dur au Japon. Et c'est vraiment un super... Et genre... C'est vrai que j'y ai joué qu'un week-end, mais alors j'étais comme ça, quoi. J'étais à fond dedans. Et si j'avais plus de temps, j'y rejouerais encore. Les combats sont pas si importants que ça, mais ils existent quand même. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Ultra Kaiju Monster Rancher existe Monster Rancher en version US. C'est vrai que Monster Farm peut-être en Europe. Ouais, bon, c'est pas. Bon, on verra. Je sais pas s'il est sorti en Europe. Hein, peut-être juste en anglais. Il sortira en Europe. Ouais, peut-être. Bon, on verra. On passe à la suite. La suite, c'est un gros morceau. C'est un genre qui est cher à notre cœur de joueur. On l'a déjà un petit peu abordé au tout début. C'est le meilleur JRPG de l'année. Le meilleur JRPG de l'année, voilà. Attention, on va peut-être parler de jeux Square Enix, mais également d'autres titres. Ah bah tiens, il y en a un qu'on connaît déjà. Je bats en tout. Arceus. Arceus, on l'a déjà couvert. On a deux autres jeux Square Enix. Arceus, donc vraiment, je trouvais que c'est vraiment une proposition intéressante d'RPG. Et juste pour dire... Évidemment, l'absence, c'est Xenoblade 3. Oui. Et j'ai pas hésité. J'ai beaucoup aimé Xenoblade 3, mais le problème, c'est que... Et pourtant, on a été critique dans notre passé sur à Xenoblade 2, mais je crois que Xenoblade 2, en tant qu'intrigue de base, c'est pas mal. Et en fait, je trouve que la construction de l'histoire de Xenoblade 3 est assez un peu décevante, quoi. Ah, j'ai bien aimé, moi. Il y a vraiment un ventre mou tu bats des bases. Et puis disons qu'il y a un climax... qui retombe assez distinctement. Je trouve qu'il est juste
c'est pas si mal écrit, mais ils auraient pu être mieux organisés. Et c'est con parce qu'il y avait tous les éléments du 2 là, qu'on n'aimait pas, c'est-à-dire les personnages un peu cringe, un peu beaucoup cringe, et tous les autres trucs qui pouvaient poser problème, parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi, hein, mais tous les trucs qui peuvent poser problème ne sont plus là. Et Xenoblade 3, bah, du coup, il passe un peu à côté de gauche. Je trouve que Arceus est vraiment une vraie proposition intéressante. Un jeu qui aurait pu, qui n'est pas si éloigné dans l'esprit de Xenoblade Chronicles 3, quelque part, dans son côté ouverture cloisonnée, parce que le level design de Xenoblade Chronicles 3, il est quand même finalement assez plus linéaire qu'on ne le conçoit. Le syndrome du boyau. C'est ça. C'est le syndrome Tales of Arise. C'est Star Ocean de Divine Force que tu as kiffé, voilà, cher que Greg. Voilà, que je ne m'attendais pas à sélectionner en fin d'année, surtout quand je l'ai lancé et que je l'ai trouvé assez inepte. Et en fait, c'est plus tu y joues, plus il est bien. C'est-à-dire que au début, les personnages sont insupportables. Graphiquement, graphiquement ça va, c'est vraiment artistiquement que le jeu pose problème. Et à la 10e heure de jeu, il se passe un truc et en fait, t'es accro, ça devient un jeu à système. Et t'as envie de tout compléter, t'as envie d'utiliser les menus pour optimiser tes combos et faire des gros chiffres. Bref, c'est un jeu try-ace dans le plus pur esprit, mais ça met quand même quelques heures à arriver. Donc, avec est dommage. Vol. Voilà. Try-ace, t'es pas cramponné au sol quand même. Quand tu dis try-ace, Greg, est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où genre, c'est claqué par terre en termes de gap, de level up, et tout d'un coup il faut faire... Oui, tu peux casser le jeu. Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a un moment, dès que tu peux crafter, mais comme dans tous les Star Ocean, dès que tu peux crafter, il y a forcément des recettes secrètes qui te permettent d'avoir des objets absolument débilement puissants. En plus de ça, bon, tu as les accessoires avec les bonus, donc tu te rajoutes. Moi j'avais pris des accessoires qui me donnaient des bonus. Tu te mets un accessoire qui te met plus X% de force d'attaque si tu as tant d'HP et machin. Et après, sur ton épée, tu mets effet des accessoires x2 ou x3. Et donc, tu t'en mets plusieurs et bah, tu tapes comme un bourrin, tu t'arranges pour que tes HP soit toujours en dessous de 30% et tu tues tout le monde en un coup, par exemple. Enfin, tu vois, c'est le genre de mécanique auquel tu as accès assez rapidement dès que tu peux fabriquer tes propres objets et essayer de... Enfin, tu vois, tu fais reset jusqu'à ce que ton objet, il ait la capacité supplémentaire que tu voulais. Et tu peux te retrouver avec des objets complètement abusés. Donc, ça fait aussi partie de l'expérience de jeu, c'est d'essayer de casser le jeu. Voilà. Moi, j'ai joué beaucoup moins que toi. J'ai joué, 4 heures, le temps de me balader au port, de revenir à l'endroit principal. J'ai vu un aller-retour, je me suis dit, okay, où est-ce qu'on est? C'est vraiment le JRPG à l'ancienne. Ouais. C'est vraiment un jeu PS3 cool, hein. Mais il y a ça m'avait choqué d'ailleurs au Tokyo Game Show, il y a un dynamisme dans le déplacement et dans le combat qui fait que t'es happé en fait. Rien que l'exploration, c'est un vrai plaisir. Alors avec le Duma, donc l'espèce de satellite qui te téléporte. Alors je pensais au départ que c'était un vol un peu à la... Non, tu planes. À l'Iron Man, en fait, tu ne fais que planer. Mais ça fonctionne, puisque de toute façon, les distances ne sont pas non plus extrêmement grandes à couvrir. Et là, je me suis baladé dans une mine, on m'a dit envoyé au port, je suis censé repartir. Bon, j'attends le twist, mais... T'attends les 10 heures. J'attends d'avoir le temps, surtout, mais en tout cas, de du peu que j'ai joué, j'ai retrouvé un petit peu tout ce que tu nous avais déjà confié sur les réseaux et ailleurs. moi, et pas que moi d'ailleurs. Tu sais quoi, parce que... Moi, je veux pas spoiler, mais j'en reparle après, je te laisse en parler. On va peut-être en parler tout de suite. Tu veux? Ouais. Ou alors on se le garde pour la fin. On va passer à la prochaine catégorie. Merci. Du coup, Triangle Strategy, on aura l'occasion d'en reparler. La prochaine catégorie, je crois que c'est la catégorie événement, c'est peut-être celle que vous attendiez, je ne sais pas. C'est le Tsumimasen Turbo GOTY 2022, ça y est, regardez. C'est la fin. Je vous ai réservé un petit effet spécial d'ailleurs. C'est le Tsumimasen GOTY. Hubert, je pense que l'instant est suffisamment solennel pour qu'on revoie le fondu au noir en grand. Est-ce que t'es... Ah oui, tu... Ouais. T'en es fier. Attends, hein. Regarde. Hop, regarde, il met 5 secondes là. C'est encore 5 secondes de plus. Voilà. Tu vois, je voulais faire un petit effet solennel. Attention. Ah mais non, mais là, c'est le RPG. Hop, ça y est. Ah oui. T'es vraiment solennel hein, comme garçon. Ouais, j'aime bien le rewind. GOTY 2022, Tsumimasen Turbo. Ça y est, l'heure est grave. L'heure... C'est, bon.
C'est nos awards à nous. On vous l'a un petit peu spoilé depuis fort longtemps. Est-ce qu'il y a un drôle de gamin indien qui va monter sur scène pour dire que, oui. que Bill Clinton, son rabbin s'appelle Bill Clinton. Non, qu'est-ce qu'il avait raconté? On va poignarder le suspense. Il a été effacé. On va poignarder le suspense très très vite. Bon, voilà. Et c'est assez rare qu'on soit tous d'accord. Mais en même temps, oui, c'est un jeu qui met tout le monde d'accord. Non, tu rigoles. Il y a plein de gens qui t'expliquent que c'est nul, qu'ils sont déçus, que l'histoire est gnagnagna. Voilà, que c'est compliqué, qu'on ne sait pas où il faut aller, qu'on meurt trop. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas du tout fait l'unanimité. Ouais. Il fait l'unanimité chez les gens qui ont joué plus de 5 heures. Mais c'est pas du tout un jeu qui fait l'unanimité, au contraire. Je pense que c'est le jeu le plus vendu qui fait le moins l'unanimité. C'est possible, ouais. C'est possible parce qu'il a cartonné dans des hauteurs, dans des proportions absolument considérables. Mais après, plutôt que de redire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses. Tout le monde en a parlé. Qu'est-ce que tu reprends? Là, je te prends en vaut. Qu'est-ce que toi, c'est ton moment, le moment de ton jeu préféré, dans le jeu préféré? Je pense que Greg. Y en a... Moi, je peux te dire. Comme ça, t'as le temps de réfléchir. Moi, il y a un donjon, à un moment, tu rentres. C'est le moment où j'ai débloqué le bâton magique qui se. Après 50 heures de jeu, alors tu te retrouvais autour. Non. Oui, il y a ça. Ah, t'as trouvé un objet super. Non, en gros putain, j'ai le joué. Moment, en le gros, moment j'ai où il a cheaté le jeu, non, c'est le meilleur moment. Non, vous allez encore plus me haïr. C'est le moment où je suis parti sur un build magie parce que j'étais dans une zone d'approche, on va dire, prudente de mon expérience de gameplay. Voilà. Et en gros, ce build magie. Je me suis aperçu que le bâton de magie qui était scalé sur mes stats se trouvait finalement autour du premier lac. Sauf que cette caverne, je ne l'avais jamais visitée, et donc pendant 20 ans, 20 heures, 30 heures, je me suis traîné que des bâtons magiques pourris. Avec des C, des D en scale magie. C'est quoi, c'est bien, j'ai galéré. C'est bien fait pour toi par rapport à tout. Laisse le jouer non, magie s'il mais je l'ai vu un jour il a fait un live sur Demon's Souls et c'est tu sais quoi quand je vois ce jeu extraordinaire et lui piou-piou. Oui, mais tu sais que pour te contredire, piou-piou. J'ai fini Demon's Souls à la dure ensuite. Oui, bien sûr, peut-être, mais je l'ai fait, monsieur. Pas devant mes yeux en tout cas. Bon, honnêtement voir un tel jeu en faisant piou piou piou, ça m'a vraiment, c'est ça qui est magique. Oui, tu peux le jouer de plusieurs manières. Mais la manière dont Pouillot l'a joué m'a marqué. L'un des moments les plus incroyables, c'est le moment où tu peux rejoindre la capitale, je crois, où tu as le choix. Tu as un chemin annexe où on te dit tu n'as pas les disques. Bon, on t'offre quand même une voie de secours si tu as envie. Et tu arpentes cette voie de secours qui est longue, qui est dure. Et tu reviens au niveau du téléporteur et il te renvoie à l'endroit où tu étais et tu vois tout le chemin parcouru. Et pour parler téléporteur, l'autre téléporteur culte de ce jeu là c'est le premier moment où tu constates qu'il y a un univers souterrain. Ah bah c'est gigantesque. Oui, c'est quand tu descends en Lurnia la première fois, c'est incroyable, c'est évidemment, quand la descente prend 45 secondes, ouais. Et que tu vois le truc, tu vois le truc à perte de vue. Moi, mon moment préféré, c'est un donjon, et je sais même pas s'il est obligatoire. C'est un moment où tu fais un donjon. Et genre, c'est une espèce de tour, une bibliothèque et tout. C'est vraiment un. Et à un moment, tu finis ce donjon, et là. Et c'est un truc qui arrive qu'une fois dans le jeu. Tout d'un coup, le donjon se retourne. Et c'est littéralement en un donjon. C'est la bibliothèque, ça. C'est la réponse. C'est la réponse de Miyazaki à Castlevania, à Dracula et à Dracula X. Ouais. Tout d'un coup, genre le jeu. Et là, j'ai pris quelques secondes pour me rendre compte que j'allais faire le jeu dans le sens inverse. Mais avec une autre, et du coup, on en a fait des mirrors dans Mario Kart, et que t'as un autre feeling quand tu joues à l'envers. Et là, tout d'un coup, le jeu devient complètement différent, et genre, ça m'a complètement estomaqué. Okay. Vraiment, c'est le moment qui m'a le plus tué, alors qu'après, on va revenir sur tout ce qu'on a dit. On peut dire sur la narration environnementale et tout ça. S'en fout. Mais en fait, c'est un jeu de moments extraordinaires qui s'étendent sur 100 heures. C'est je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens lui reprochent aussi. Le seul reproche que je pourrais lui faire, effectivement, c'est qu'une fois sorti de la capitale, quand tu regagnes tout l'espace montagneux au nord-est de la map, tu perds un petit peu en intensité et en montée en puissance. Mais comme tu as des donjons supplémentaires bonus qui se débloquent à ce moment-là et qui sont eux aussi absolument incroyables, là, quand tu vas visiter la ville et que ça débloque un mécanisme qui te transfère ailleurs, putain, mais vraiment, ce jeu est... Putain. Pardon, Lupin, ce jeu... Non, ils sont peut-être couchés, les enfants. Ce jeu a été, mais ça m'a obsédé pendant 77 heures. Alors, c'est pas un temps de jeu énorme, mais par rapport aux différentes
fonction sociale qui occupait. Non, mais c'est pas un jeu qui est compatible avec la vie quotidienne. Ouais, mais non, c'est un jeu. C'est un jeu pour lequel tu t'arranges. C'est un jeu de vacances. Tu poses des vacances. Voilà. Comme par exemple, il y a un jeu qui va sortir bientôt, c'est Zelda, quoi. Ouais. Zelda, les gens me disent, je pose des vacances pour Zelda. Donc on va pas suranalyser Elden Ring parce qu'il y a 14 000 vidéos sur YouTube. On en a parlé de mieux que nous. On en a largement parlé également. On en reparlera. Ben on en reparlera encore parce qu'il a... Mais on va pas s'éterniser. Mais c'est hallucinant de se dire, après Dark Souls 2, 3, Sekiro, ils vont jamais réussir à faire mieux. Et, et que désormais, tous ces jeux-là passent pour le prologue, peut-être moins Dark Souls 1, mais passent, non mais c'est des jeux extraordinaires. Passent pour les ébauches. Moi, je préfère enfin, encore d'autres Souls à ça. Mais ce que ce jeu m'a donné a été... Mais bon, voilà, je pense qu'on a donc. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que tu. Enfin, moi, je l'ai redécouvert après avoir discuté avec des gens qui ont développé le jeu. Et tu vois l'évolution. Ils ont eu l'air de charbonner un peu, hein, quand même. C'est. Alors, moi, je. Comment dire ? Bon, je peux pas vous dire avec qui j'ai parlé, parce que j'ai pas le droit, mais c'est quelqu'un qui a été décisif dans le. Mise au point. Dont le nom commence par un M. Non, je plaisante. Du moteur de jeu. Et non, pas du tout. C'est non, côté technique. Oui. Et comment. Enfin, tu. Quand tu regardes le jeu avec des yeux de développeur, ce que je n'ai pas parce que je ne suis pas développeur, mais on me les a ouverts, tu comprends certains choix qui ont été faits par rapport à des limitations techniques qui ont été contournées en cours de développement. Enfin, C'est vraiment assez intéressant à voir. Alors évidemment, il y aura énormément de choses à raconter sur ce jeu. Je pense que c'est un jeu pour lequel il y aura énormément de post-mortem. Je pense que c'est un jeu pour lequel, une fois que les NDA vont sauter, tu vas avoir plein de gens qui ont bossé dessus, qui vont dire ah ben, en fait, on a fait ci parce que ça. Et il y a encore énormément de choses à découvrir, mais c'est un jeu que tu peux analyser et suranalyser parce que justement, il a été accompagné tout au long de son développement. Par des gens qui ont fait en sorte que le jeu ait les moyens de ses ambitions. Non, mais la gestion du streaming de ce jeu, du streaming au sens du streaming de l'exploration, le fait que le monde s'offre à toi, de tout ce que tu vois en arrière-plan, et c'est proprement sidérant. Quoi. Ouais, ouais, c'est un jeu qui fait pas... Bon, et comme les. Bah oui. Comme évidemment, évidemment, vous avez eu. Comme les dés étaient pipés. On pouvait pas, genre, faire. On pouvait pas vous dire, c'est Elden Ring, on finit là-dessus, on s'en va. Ouais. C'est pas le genre de la maison. On a trouvé une dernière catégorie. Et oui. Le meilleur jeu qui n'est pas Elden Ring, évidemment. Bravo. Comme ça, c'est plus simple. Et là encore, sous vos yeux ébahis. Donc, c'est le sous. Enfin, ça aurait été le GOTY sans le GOTY intergénérationnel. L'émission dure plus longtemps. Hein, il faut Du coup, vous avez du rap de Soumimassé. C'est deux GOTY pour le prix d'un. Ouais, c'est parfait. Double GOTY. Pouf. Bon, ben, Pokémon Violet, on lui a déjà fait sa fête, je crois. Voilà. Pokémon Violet. Bah ouais, sur kiff. Oui, écoute, parfait. C'était. On parle du jeu qui m'a fait le plus plaisir, qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a satisfait, sur lequel j'avais le plus envie de revenir, le jeu pour lequel j'avais envie le plus d'arrêter ce que j'étais en train de faire pour y retourner. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là. Eh ben nous, bon, hein, check. Profitation. Triangle Strategy. Triangle Strategy. Triangle Strategy, voilà. Francise-le. L'héritier. Pas confondre avec Triangle of Sadness, oui. Le film qui a eu la palme. L'héritier des grands RPG tactiques. Mais on aurait pu dire que c'est de la sadness, parce que c'est pas un jeu ultra gay. Ah, c'est même le jeu cornélien. C'est le jeu des. La team Asano, comme beaucoup de gens de bon goût, ils sont fans de Matsuno, ils se sont dit, on relève le défi. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise. Asano, c'est qu'ils kiffaient les jeux à la Live Alive. Ils ont fait leur Live Alive, c'est Octopath Traveler. Et maintenant... Bravely Default, tu veux dire. Ah, Bravely Default, oui. Ouais. Et puis aussi Octopath, un peu, tu sais. Et là, du coup, ils se sont dit, on va relever le gant, on va essayer de faire Tactics Ogre, on va essayer de refaire Final Fantasy Tactics. Et honnêtement, on a beaucoup d'expérience avec Puyo maintenant sur le... On en a vu des clones qui essayaient de faire Tactics Ogre. Tu te souviens ce jeu sur PlayStation 1 ? Oshigami. Oshigami, là, pendant des années, on nous montrait Oshigami, on se disait, putain, c'est le nouveau Tactics Ogre, que dalle. Et en fait, c'est facile de... En fait, on pense que le Tactics, c'est plus facile à faire. En fait, c'est facile de se louper.
Et là, Tactics Ogre, les astres se sont alignés. Triangle Strategy. L'absus intéressant. Triangle Strategy, les astres se sont alignés. Le gameplay est vraiment intéressant et pas trop punitif. Pas trop punitif, c'est-à-dire pas que... Pas trop punitif, non, c'est une si tu rates ta map, ouais. tu peux repartir en gardant les niveaux que tu as acquis. Oui, ça, c'est et déjà puis une je bonne trouve chose. Que c'est un jeu qui est suffisamment simple pour les gens comme nous qui n'ont pas joué à ce genre de jeu depuis très longtemps. C'est que l'offre ça. Était pauvre hein, depuis plusieurs années. Et là, c'est et qui peut se remettre dans le bain. Il a fait des sacrifices, on va dire, en termes de profondeur sur certains aspects. Par exemple, la customisation qui est très... Les classes, les shops, les quêtes annexes qui ne sont pas toujours extrêmement bien développées. Pour des systèmes de focus, de points focus qui vont te permettre d'accéder à différents types de skills, pour des systèmes d'attaque en pince qui fonctionnent très très bien. Et il faut vraiment entourer les personnes. Des petites arènes. Des petites arènes, des arènes assez confinées, pas de, des personnages dont les rôles sont quand même assez bien définis et qui vont assez peu en varier. C'est un jeu qui est pensé pour le portable. Hein. Complètement. Pour le portable et la Switch. Enfin, pour le nomade, on va dire. Quoi. Et en plus, je pense qu'il arrive au bon moment cette année où on revoit beaucoup, beaucoup de RPG Tactics. Il y a le remake de Front Mission. Mais là, on est quand même dans une autre catégorie. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment bien dans Triangle Strategy, moi, c'est le scénario, en fait. C'est-à-dire que les choix... Ça change tout. Je n'ai joué à ce jeu que pour le scénario. Les choix... Ce qui est une révolution. Les choix impliquent vraiment une différence. Et alors, c'est toujours la toile de fond Matsuno... FF Tactics et Game of Thrones. Et Game of Thrones, c'est-à-dire il y a en général le serviteur du roi, c'est toujours un méchant. Il y a des fils illégitimes, des enfants adoptés qui se vengent. Il y a vraiment pas tant que ça parce que tous les choix sont légitimés en fait. Et c'est ça qui est horrible. Il n'y a pas de mauvais choix. Et un perso qui est légitime dans une partie peut être complètement l'inverse en fonction de tes choix. J'en veux pour preuve un des personnages principaux qui est vraiment se retourne complètement quand j'ai refait le jeu. Il n'y a pas de mauvais choix, mais il n'y a que des mauvaises conséquences. Et c'est-à-dire que c'est un jeu où il y a vraiment... Quand toutes les fins paraissent un peu mauvaises, en fait, vraiment, à chaque fois, c'est toujours des choix très, très cornéliens et dramatiques. Bah, c'est bien quand ça reste gris comme ça. Et j'aime bien. Et honnêtement, ça m'a manqué un jeu... qui propose une certaine noirceur parfois naïve parce que c'est quand même une métaphore. Il y a la métaphore sur le racisme, donc les gens qui ont des cheveux rouges, voilà, c'est quand même un truc qu'on voit souvent dans les JRPG, mais en même temps traité de manière très 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 premier degré et avec vraiment application et les musiques. Oh, et les musiques. Ah, la musique, c'était où? Ah, la musique. Bah, et le Akira Senju, donc compositeur de légende, qui a fait notamment Victory Gundam, dont j'avais l'OST qu'on avait acheté chez Concy en Sunmade Records, histoire de retomber sur toutes les pattes de ce Soumimasen Turbo. La musique et le chara-design aussi, qui est traité de manière très à l'ancienne. Mais même les relations interpersonnages, on en a parlé lors de nos tribulations passées. Mais c'est naïf, la relation de romance entre les quais adultes, enfin... Et je sais que ma fin, elle est très très triste, mais en même temps, je voulais venir. Je me dis que c'est la bonne fin pour moi. Déjà, c'est la fin que tu as choisie, c'est la fin qu'on t'a attribuée, et c'est la fin, puisque ça part aussi sur le principe de jugement. Donc il y a beaucoup de délibérés où chacun donne son avis et tu essaies de faire influencer les uns les autres pour peut-être essayer, mais c'est pas garanti, de voir la balance du destin pencher vers l'endroit où tu souhaites. Mais surtout, c'est un des rares jeux que j'ai fini. Malgré le peu de temps disponible, en tout cas le peu de temps disponible pour d'autres jeux que FIFA, où je me suis dit, j'ai envie de repartir comme un bon livre tout de suite. En plus, il y a le système de chapitrage, la langue grisseur, où tu peux revenir au chapitre du choix qui va t'emmener sur l'autre route. Oui, tu n'es pas obligé de tout refaire depuis le début, tu peux juste faire l'embranchement. Et en plus, on jouit du fait que c'est sur portable, c'est le jeu parfait en mode nomade. En plus, on arrive en 2022. Enfin, c'était un jeu de 2022, donc localisation vraiment exemplaire. Nintendo était derrière. Vraiment super. Non, mais oui. L'existence de ce jeu doit quand même aussi, à nouveau, comme Live Alive, doit aussi beaucoup à l'initiative de Nintendo. Square Enix plus Nintendo, qui est quand même un duo qui marche bien. Voilà. Non, vraiment, vraiment, c'est vraiment un grand. Et il a trouvé un petit succès finalement. Il est à plus d'un million de ventes. Je suis content. Pour un jeu comme ça, c'est beaucoup. Pour un jeu Tactics, les Tactics aujourd'hui, c'est pas le genre le plus couru, mais par contre, ils ont leurs fans. Et moi, j'en suis quoi. Vraiment, c'est un genre. Je me suis refait Shining Force 2 cette année.
Qui sait ? Non, mais son défaut, si on veut parler uniquement des ventes, son défaut, c'est qu'il est beaucoup moins fashion victime que Fire Emblem. Oui. En fait. Bah oui. Ah bah Fire Emblem. Je crois que Fire Emblem a l'air de tirer un trait un petit peu sur le côté fashion et le côté interrelationnel. Hein. Ah bon ? Oui. Ouais, mais les premières previews font mettre ça en sourdine et j'avoue que ça me fait un petit peu. Ça reste un peu un caragame maintenant. Enfin, je veux dire, on joue aussi pour les personnages. On sait qu'il y a Marf qui apparaît, tout ça, machin. D'ailleurs. Alors que là c'est... Moi j'aime bien l'idée que. Et en plus, le jeu commence très doucement. Hein. D'ailleurs, Daniel, j'y viens. Ouais. Deux petites parenthèses et deux interruptions. Fire Emblem. C'est toi qui fais des parenthèses ? Ouais, j'en ai décidé d'en faire une. Fire Emblem, c'est une série que j'ai découvert donc assidûment au printemps où il sortait très peu de jeux. Et je me dis que Fire Emblem Engage sortant d'ici à fin janvier, ça nous ferait peut-être au moins un jeu à essayer. Maintenant qu'il y a du live dans Tsumimasen Combo, à présenter. À tous les patriotes de Tsumimasen Turbo. Et ça nous fait une transition tout trouvée vers la fin de cette première émission. Je sais, Daniel, que tu bouillonnais de dénoncer tes 40 autres jeux, mais je pense que là... D'abord, on est à 3 heures de live. C'est vrai. Bah, c'est parfait. 3 heures de live, et en même temps, c'est quoi ? Je pense qu'on est presque... On les a pas vus passer. Je pense qu'Hubert les a sentis passer, ouais. Il a plus rien à manger. Hubert, il a mangé les gens autour de lui. C'est bon, il a attaqué les dauphins, les requins, pardon. Tant qu'Hubert a à manger, vous savez, vous en faites un homme heureux. D'ailleurs, Hubert... Il y a un jeu smartphone japonais dont j'ai pas parlé, mais je me le garde. Marvel Snappu. Non, mais pas une... Snappu. Marvel Snappu. Snappu. Et oui, bon, ça on se le réserve pour une prochaine fois, on va pas finir Point P après avoir parlé de Triangle Strategy, on sait bien, ce serait péché. Ouais, c'est vrai. Bon bah voilà, Tsumimasen Turbo émission Neon Genesis, Tsumimasen Turbo est lancé, espère qu'il est lancé sur de bons rails, on remercie évidemment. C'est un vrai prologue, hein. On tient à préciser que l'émission ne ressemblera pas forcément à celle-là. Voilà. Oui. Parce qu'il y aura une mise en jambe. Il n'y aura peut-être pas les plantes. Voilà, il n'y aura peut-être pas. Quoique le ronflex, je vais peut-être le mettre dans un sac. Mais. Enfoiré. On va parler pop culture, il y aura des guests, il y aura d'autres thématiques. On ne va pas uniquement centrer sur le jeu vidéo. On a envie de faire des choses. Et aussi, comme vous avez dit, on n'est pas encore au palier, atteint les paliers, mais en même temps, on a 3 heures d'existence. Hein. On va laisser le temps de voir ça. Et surtout, on espère vous garder avec nous, que vous souscriviez à notre. À nos idées, à nos émissions qu'on a envie de faire, et parce qu'on a envie que ça compte, et on est très fiers et honorés de la confiance que vous nous donnez. Ouais, merci infiniment. Et puis il y a aussi un Discord, c'est-à-dire que si vous avez envie, évidemment, on aille plus dans une certaine direction ou dans une autre, il fonctionne le Discord. Je crois, j'espère. Oui. Donc, moi, j'ai pas d'écran devant moi, donc je peux pas vérifier. Il faut dire un truc aussi sur Patreon, on peut aussi nous envoyer des messages et aussi écrire sous chacun des articles que nous publions, c'est-à-dire chaque émission est un article, et donc du coup ils peuvent même mettre des likes, figure-toi, même là, et donc on peut interagir aussi avec les patriotes directement, donc c'est vraiment un truc qu'on voulait faire pour que vous nous souteniez, pour que vous soyez avec nous et que vous souscriviez à nos idées. J'ai hâte, mine de rien, de me mettre à écrire un peu, d'écrire des projets d'émission. D'écrire sur la genèse de Tsumimasen Turbo aussi, sur tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre aussi pour cette émission existe. Moi, j'ai surtout hâte de voir les retours des gens. Aussi, oui. Bah, ça paraît être après, je veux dire, la base. J'ai envie de dire un truc. Il n'y a pas de surprise non plus. On est les trois mêmes gars. Il n'y a pas eu de bouleversement. On fait ce qu'on fait, on va pas changer des grosses recettes, des grosses ficelles. On aime parler de ça, on aime parler des jeux vidéo, on aime parler des mangas, de l'anime et tout ça. Ben voilà, on le fait. Ben voilà, on a tout dit. Il est bientôt 22h. On va vous rendre votre soirée si vous nous avez suivis depuis aussi longtemps. Oui. On remercie tous ceux qui ont rendu cette émission possible. On doit mettre plein de choses à jour, genre par exemple mettre le Patreon dans la description des. Oui, il reste beaucoup de choses à ajuster, mais on remercie donc Gozulting. Pour son accueil, la mise à disposition de tous ces moyens techniques. On remercie évidemment. C'est eux qui ont eu l'idée de ce live. On remercie Hubert. Ah bah voilà. Je vais enlever mes lunettes pour les deux dernières minutes. Les locaux. C'est fort, hein. On remercie évidemment Hubert. Je supporte pas ce genre. Le magicien de l'image. On remercie. Bah, on les a déjà cités. On regarde les gens dans les yeux quand même. Fabien, Lionel, tous les amis communs, Vincent, je vais en oublier, c'est certain. Je vais en oublier, c'est sûr, c'est déjà oublié. Atomium, évidemment. Atomium, tous les anciens
qui ont soutenu aussi cette initiative. Voilà, vous les connaissez forcément. Aude, qui était là, coucou. Nos amis copains. On va avoir carrément un book à faire à la sortie de... On doit faire ne serait-ce que les headers, parce que... C'est quoi le header? C'est quoi le header? C'est la banderole sur YouTube, mais en fait, à chaque fois qu'on faisait... Ah, les vignettes! Ouais, mais on s'aperçoit de plein. Tu veux dire qu'on va faire genre... Mais oui, la PS5, déjà, c'est pas possible. Pas la vignette. Mais surtout, tu sais pas, mais quand tu veux rajouter un header YouTube, ça demande des dimensions hyper précises. Incroyable. Et du coup, hier, j'ai passé trois quarts d'heure à m'échiner à essayer de... Et ça n'a pas marché, au final. Genre, ce jeu, incroyable. Non, mais c'est une vraie grammaire à apprendre. On est très bien entouré. On remercie tous les gens. Et on est content de vous retrouver aussi, parce que si vous en avez manqué, on a eu un moment d'absence. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un moment d'absence. C'est comme ça, c'est le destin. Mais on va pas s'arrêter de se voir, les gars. Voilà. Les amis, on est là pour ça. Et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain. Voilà. Les gens avec la Uber, les feux sont au vert. On va évidemment me permets de regarder le chat rapidement. Les gens veulent voir Uber. Les gens veulent voir Uber. Ah oui, Uber là. Connaître-toi un peu, voilà. fais un cœur là comme les stars de K-pop. C'est quoi les cœurs de K-pop? C'est ça? Bah oui. Je savais pas. Comme ça là, regarde. Comme ça. Je sais pas. Ouais. Bah, regarde vers la caméra, ça fait comme un petit cœur. Ah, ça fait comme un. Oh non. Bon allez. On arrive, on va aller se restaurer. On vous remercie chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à Sony 7 Turbo. Et la VOD devrait arriver dans la foulée, puisque c'est visiblement comme ça que ça fonctionne. Une fois que t'as fini ton live, on découvre tout. On va découvrir la VOD. Mais t'es un streamer, toi, tu découvres. Ouais, non, mais moi, il passe sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Moi, YouTube, je connais pas trop. Faudra demander à Ato comment faire des bonnes vignettes. Parce que lui, c'est maître vignette. C'est lui. Bon, allez, bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée et meilleurs vœux. Allez, bonne année. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye.